Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, bienvenue pour ce match d'après-midi qui sent la peur, qui sent les pépettes évidemment, pas les pépettes, qui sent un petit peu la peur parce que c'est le 19e contre le 20e, Saint-Étienne, Metz à Saint-Symphorien, ça va être un peu tendax, les amis, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud, on s'attend à du lourd, évidemment, malheur aux vaincus, on va voir un petit peu les infos clubs, le classement, les compositions d'équipe qui viennent d'arriver je pense, en tout cas ça va être une grosse après-midi avec le choc que beaucoup de gens attendent ce soir. Le match Lyon-Lens qui va être bouillant au Groupama Stadium. Salut Jean Thébault. Et il fait à moitié bon aujourd'hui. Hein, vous ne trouvez pas qu'il fait bon? On change d'heure cette nuit. Hein. On dort une heure de plus. Profitez-en, c'est la dernière fois. Salut Kat, salut Dinman City, salut Scotty, salut Christophe Buteux, Jean Thébault, Denis Lemire, Deadman City, Nahil Ushiwa, Yves Lancien, Michel Pereira, fan du Barça. Et bravo pour les... non, c'est pas Moran ça. Mais c'est pas grave, bravo quand même. Fofo Lula, ça va très bien. Olivier Schwartz, ça va très très bien. Merci pour tes vocaux, mon frérot. C'est adorable, merci. Thomas WZ, il y a déjà des Lensois qui sont là, les amis. Salut Denis Lemire. Évidemment, hein, tous les Lensois sont là, c'est chaud. C'est quoi ce noir là qu'il y a ici? Ce fond noir qu'il y a là? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est le stade qui est comme ça? Ou les tribunes? Bizarre. Bref. Salut... Kat. Il parle depuis longtemps. Le grand Phénox. Salut Dajat Belmostafa. Comment tu vas? Ça va? Moi, ça va. J'ai hâte à mardi, en tout cas. Petite nuit, mais c'est pas grave. Bon, heureusement que les médicaments sont là. Mine de rien, putain. Salut Nadine. Et salut à vous. Comment vous allez, les amis? On va passer directement à l'avant-match. Salut Daniel Muso. Qu'il est beau sans symphorien. Merci mon Albo Vasquez. Non, Julian. Bah, je te dis mardi. Mardi. Comme ça, c'est la dernière fois. On changera plus d'heure. Ouais, il paraît. Moi, rappelle, il paraît que c'est la dernière fois. Donc, profitez-en. On dort une heure de plus. Salut l'ancien. Walter. Enzo. Ça va très, très bien. Très, très bien. Allez, on est parti ou pas? Parce qu'on a les compositions d'équipe à voir quand même. Avec un système à 5, je crois, pour les Messins. Un système à 4 avec le retour de Timothy Kodediak. On va voir ça tranquillement, les amis. C'est parti pour l'avant-match. On est chaud bouillant. Et c'est parti. Le match commence dans 35 minutes. Go. Évidemment, on va voir le classement. Hein. Le classement des deux équipes, ça fait peur. Le classement fait peur avec donc la 19e place pour Metz. On verra dans les infos clubs que ça fait une paye que les Messins n'ont pas réussi. Enfin, n'ont pas réussi. Ont un classement aussi faiblard, les amis. Salut Jean-Charles Jossien. Salut Brian Soldat. Incroyable match du jour. Et du dernier, par contre, Thomas. C'est ce vraiment pitié. Même Dijon l'année passée était plus intéressant. J'espère un réveil d'un match de Puel. Thomas, est-ce que tu feras Lorient-Rennes demain? C'est pas Lorient-Rennes, c'est 3 Rennes, mon frérot. Ou alors, est-ce que je ferai Lorient et Rennes? Ouais, le multiplex, je fais demain. Salut mon Christophe Pedrolo, comment tu vas? Est-ce que tu as passé un bon réveil, un bon petit déjeuner, une bonne après-midi, un bon midi? Et tout est compté, évidemment. Ça tienne dans le dur, tu m'étonnes. Le téléphone, il est là, pardon. Le 20e contre le 19e. Ça, c'est incroyable, quand même. Assez incroyable. J'avoue. Salut camarade Grona. Ah, il y a plein de Messins qui sont là, évidemment. Et la personne qui perd ce soir, genre, parce que demain, il y a Brest-Monaco, il y a Bordeaux aussi, il y a Reims, ils peuvent prendre un petit peu le large. Les Brestois, Messins et les Stéphanois, les amis, doivent à tout prix ne pas perdre. Hein. Ça va être une galère sinon. Alors, on va faire un petit prono. On est déjà une centaine. Merci, les amis. L'ancien Lorient, donc allez, Metz et match de la peur pour ce soir. Ah, bah, tu m'étonnes, mon diloti. Salut Maxime, salut Cameron Grona. Donc alors, on y va pour le petit pronostic ici. Qui va gagner ce match de la peur, les amis? Metz, match nul ici, ou alors la SSE, évidemment. On y va, on vote tranquillement. Je compte sur vous hein, pour bombarder la barre des likes et tutti quanti, évidemment. Alors, les compositions d'équipe sont arrivées. Je ne sais pas si c'est les bons systèmes ou pas. Le système de Metz, c'est un 5-3-2 avec toute la défense. Et le système stéphanois, les amis, c'est un 4-2-3-1 avec des retours un petit peu dans le 11 de départ pour pas mal de joueurs. Nordin doit... On va voir ça ensemble. On va les détailler. 3-1. Le perdant va en Ligue 2. Oh, Under peut-être pas. Peut-être pas quand même. Mais c'est vrai que ce match sent un petit peu le soufre. Match nul. Ce match sent le soufre parce que déjà, Antonetti, est-ce qu'il va être maintenu ou pas? On s'en souvient, évidemment, il a eu le décès de son épouse et donc c'était Oignon qui avait pris le relais, qu'il avait d'ailleurs, je trouve, assez bien pris.
mine de rien, c'est quoi ces reflets derrière? C'est des sièges qu'il y a derrière? C'est quoi ce délire? Attendez, le stade, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ok. Je vais me dire match nul. En vrai, aucune équipe est réellement capable de faire différence. Un 0-0 me semble plus probable. Bah, 0-0, ça change rien en tout cas. 0-0, ça change rien. On va voir ça ensemble. Je veux dire, parce que mine de rien, à Saint-Etienne, t'as quand même des joueurs assez intéressants, tu vois. T'as des joueurs qui sont quand même au niveau. Je parle pour Wabi Kazri. C'est pas un branquignol, tu vois, Wabi. Hein. Le Tunisien, il est meilleur buteur. On va voir le classement des buteurs. Le classement des buteurs ici est d'abord, on va voir évidemment les compositions d'équipe. 4-4 ou par Bilout, ce serait énorme. Vous êtes supporter de quelle équipe hormis les Stéphanois et les Messins sur le live? Dites-moi en commentaire. Et on va parler des coachs aussi. Hein. Est-ce que Antonetti est menacé ou pas? Alors, on a ça comme composition d'équipe. Oukidja, on a Delaine, Braun, Jemerson, Oudol n'est pas là. C'est Kouyaté qui revient dans le lot. À droite, donc, est-ce qu'on a 111? Ça, c'est bon. Donc, il n'y a pas de Oudol. C'est Kouyaté qui est là. Kouyaté qui est là, on y va pour Kouyaté à la place donc de l'ami Oudol. Donc Jemerson, l'ancien Monégasque qui n'était pas prêt mais qui est arrivé ici. Au milieu de terrain, donc on a Endoram, Maïga et on a quoi? Ibrahim Anian et Boulaya devant. Ah d'accord, ok. On a. Ah d'accord, il est assez offensif, hein, l'ami. Il a mis Antonetti. Assez offensif de ouf, hein, Antonetti. Assez offensif. Il décide de mettre Boulaya au milieu de terrain. C'est quand même assez intéressant, franchement, pour le dire. Assez intéressant pour le dire. Donc, Kouyaté au milieu de terrain. Par contre, Dreuxi, tranquille, frérot, sur les spams. Tranquille, frérot. On a compris, l'ami. Thomas de la Neige aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Bah, j'imagine que, ouais. J'imagine que c'est parti. Hein. On a Kouyaté, donc Jemerson, Braun, 111. Milieu de terrain, nous avons donc. On y va. Donc, Depréville et Niagne devant. Donc, voilà. Et Boulaya est au milieu de terrain. Voilà. Niagne devant. Et Boulaya au milieu de terrain. Donc, à la place de Endoram. Donc, on a. Les amis, on a quand même une sacrée équipe offensive hein, pour les Messins, hein, franchement. Donc, ici et Endoram. Voilà. Voilà pour la compo Messine et la compo donc Stéphanoise. Nous avons donc Étienne Green dans les cages, évidemment. On a Riyad Boudbouz en numéro 10, ça ne bouge pas. On a Madi Camara sur un côté. On a Dwars Neyou milieu de terrain. Nous avons du Konedak Moukoudi dans l'axe. Ah, on n'a pas de Moukoudi. On n'a pas de Moukoudi, il n'est pas là. C'est So. Et on a du. Attends, la compo va la changer parce que là, je pense qu'elle n'est pas du tout bonne, la compo de Saint-Etienne, les amis. Le système n'est peut-être pas bon, en tout cas, mais il doit y avoir des changements. Et devant, nous avons donc du Kazri, du Nordin et du. Il n'y a pas Bouanga non plus. Oula, les amis, composition d'équipe Saint-Etienne, je veux bien. T'inquiète pas, Dreuxi, t'inquiète pas, mon frère. Bouanga remplacé par Ramirez. Ouais, je vois ça, justement. Donc c'est Kazri dans l'axe. Alors, Kazri dans l'axe, donc Bouanga avec Ramirez. Attends, mais donc Ramirez sur un côté. Ok, Ignacio. Non, il n'y a pas Ramirez. Non, non. Nordin, Neyou, Masson, Ivan Masson, donc à la place de Traoko. Ça ne change pas, Madi Camara. T'inquiète pas, Dre. Donc, je vais attendre les compos, les amis, le système, parce que là, je trouve bizarre. Ah, ça y est. Ça y est, c'est parti. Donc, Boudbouz, Nordin, Kazri devant. Ok. Donc, on va dire Kazri sur un côté, il paraît. Donc, voilà, Kazri sur un côté et Boudbouz en numéro 10. Parfait. J'ai la compo, ça y est, elle est arrivée. Tranquillement, on va mettre les bouchées doubles pour la faire. Le classement, c'est quoi? Le classement, il est là, mon frère. Le classement, il est là. Et le classement, il est ultra important, évidemment, pour les Lyonnais ce soir, hein, en cas de défaite. Mais il est où, le classement? Avant-match, ici. Ah bah, le classement, il est là. Bah oui. J'étais dans pas le bon stream deck. Le classement, il est là. Alors, City est mené, on peut pas dire qu'ils perdent leur... Ah ouais, City est mené, but de Zaha. Pour le bien de la Ligue 1, il faut que la CSU se maintienne. Stade mythique, supporter de folie. Metz a l'habitude de la Ligue 2, ça ne gênera personne. Oh ouais, vous êtes dur quand même. Hein. Vous êtes dur. D'ailleurs, il n'y a pas de Moukoudi, c'est du saut devant, les amis. Il n'y a pas de Moukoudi, c'est du saut devant. Neyou, il y a un milieu à 3 avec... ah, ça, on dirait un losange, les amis. On dirait un losange. Kazri Boudbouz. Ah, on dirait un losange. Il a mis 3 milieux de terrain, les frérots. Il a mis 3 milieux de terrain. Donc, c'est un 4-4-2 losange fait par Claude Puel. Il est quand même couillu, Claude Puel. Hein. Il fait un 4-4-2 losange maintenant, comme ça. Après, c'est lui qui voit, évidemment. Pourquoi pas. Donc, avec 3 joueurs offensifs. Donc, Nordin devant, ici.
et Wahbi Khazri là-bas, un Riyad Boudbouz au milieu de terrain avec une sentinelle. Voilà pour l'ami. Et bah, donc, il tente des choses, l'ami Claude Puel. Après, il a raison, les amis. Hein. Il a raison, parce que Claude Puel, encore une fois, c'est 4 millions d'euros. Hein. Les 13 millions d'euros annoncés, évidemment, étaient un petit peu faux. On s'était un petit peu engagé. Donc, Neyou ici. Metz, c'est une équipe de Ligue 2. Ah bah, Metz, l'année dernière, quand même, a fini dans le top 10, tu vois. Donc, à voir. Moi, je trouve que cette équipe de Metz a des bons joueurs. En l'occurrence, ils ont quand même du Boulaya, ils ont quand même des, voilà, ils ont quand même des bons joueurs. Ivan Masson, il n'y a plus de Trauco, Madi Camara, le capitaine, côté gauche, et devant, on a Nordin et Riyad Boudbouz, voilà. Ici, pour Riyad Boudbouz, voilà. Boudbouz, l'Algérien, donc il y a 3 Algériens, les amis, sur le terrain. Voilà pour la compo. On y va, Riyad Boudbouz. Voilà ce que je vous propose comme compo, les amis. Dites-moi si vous êtes d'accord. Donner le classement, match pauvre peut-être. Bah, franchement, ça peut être un match soit ultra serré, dans le sens où on va sentir vraiment deux équipes qui ont peur, ou alors ça peut être un match ultra ouvert où il y aura des buts et ça peut être un 4-4. Ça peut être un carton ou pas, à voir évidemment là-dessus. Et oui, on n'est pas une équipe de Ligue 2, tu connais. Et oui, on n'est pas une équipe de Ligue 2, tu connais pas l'histoire. Bah non, et quand même, Metz. Qui connaît les Pépé Flingueurs, qui était né à cette époque, hein, franchement les amis. Les compositions d'équipe sont là donc avec Okidja, ça y est, c'est arrivé. Hein. Delaine, Kouyaté, Jemerson, Braun, 111, Maïga, Boulaya, Endoram, Diagne, Depréville. Et nous avons Green, Masson, Konediak, So, Camara, Neyou, Gourna, Douas. On a Zedou, Boudbouz, Nordin et Wahbi Khazri. Voilà pour les compos, les amis. Un petit coup, Thomas, un petit coup de c'est pas possible. Ah, pas encore frérot. Pas encore, je vais le garder sous la main, l'ami. C'est pas possible. Non, je vais le garder sous la main encore. J'espère que vous l'avez gagné, ça va être très dur. Ah bah, ça va être très dur. Hein. Le Lyon lance, l'ami, ça va être très très dur. Franchement, faudra être costaud par rapport à ça. Ça va être très très dur de voir ça. Salut Thomas, tu as bien en tête que tu peux commenter un match de Première Ligue par exemple. Salut, tu vas bien en fait si tu peux commenter. Bah non, Hakim, malheureusement, parce que là je commente les matchs de Ligue 1, tu vois, à 16h30. Le match de Première Ligue finit, celui-là finit à 19h. Et après, j'enchaînerai avec le match de Lyon-Lens. Donc, en gros, l'ami, je ne pourrai pas. Salut Pierre Materac, comment tu vas? Salut à vous. Les amis, je compte sur vous. Hein, on est combien sur le live? 130. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, en masse. Donc, on a Okidja, Delaine, Kouyaté, Jemerson, Braun, 111, Maïga, Boulaya, Endoram. Donc, un système défensif pour les Messins, évidemment. Et ils annoncent à 4. Et Boulaya, Maïga, Endoram, Niagne, Depréville. 111. Ils annoncent Kouyaté en point de basse. Bizarre, cette compo. Bizarre. La compo d'Antonetti, c'est pas possible. Hein. Lance gagne ce soir face à l'OL. Aristide, salut Ariadesson. Allez, franchement, on verra. On verra comment ça se passe. C'est un gros match, c'est clair. Allez, c'est parti maintenant pour le classement des buteurs, les amis. Et mine de rien, vous allez voir quand même qu'il y a des buteurs de Ligue 1 qui sont quand même assez bons malgré le fait qu'ils sont plus là, tu vois. Et, assez incroyable quand même. Nous avons donc David à 8 buts, Laborde 7 buts, Khazri 6 buts, Blas 6 buts et Mohamed Bayo à 6 buts. Donc, voilà, je tiens à dire quand même que c'est rare d'avoir un avant-dernier, les amis, dans le classement des buteurs, à 6 buts quand même. Heureusement que Khazri, je tiens à dire quand même que heureusement que Khazri est là. Et on a Bayo donc qui jouera, je pense, demain avec Clermont contre Marseille. Le Blas est annoncé un petit peu aussi incertain pour les Nantais. On verra ça demain. Et nous avons donc le top 10 ici avec Payet 6 buts, Goury 6 buts, on fera Angers. Demain, les amis, contre les Niçois. Mbappé donc est blessé, enfin il avait une otite. Paqueta ce soir et Andy Delors, on verra demain s'il sera titulaire. Évidemment, l'Algérien. Et on y va pour les passeurs ici. Donc on a Simons, Mbappé, Savanier, les amis. Et nous avons aussi Romain Fèvre et du Jonathan Clauss. À Clauss, ce sera ce soir. Franchement, le Lyon lance, il va être bouillant. Pas de soucis Thomas, tu as planifié prochainement. Tu le planifies prochainement. C'est-à-dire Hakim. C'est-à-dire mon frérot. Qu'est-ce que je planifie prochainement? Comment on va? Je ferai pas Tottenham Manchester, hein, c'est impossible. Parce que ça va se. De toute façon, la priorité sur ma chaîne, encore une fois, les week-ends, c'est la Liga. Bah c'est. Je crois que c'est un Nantais qui m'a dit ça hier. Donc à voir les amis. Bonjour Nour. Fanfan, elle spamme pas, elle est modératrice frérot. Salut Nour, comment tu vas?
Payet, bijoux en papier de Marseille. Payot, bijoux. Ah, Pajot. Payot, bijoux en papier. Stade son entraînement, partenariat club, série Génération Foot. Ah bah Génération Foot, frérot, le Sénégal et Metz, c'est main dans la main. Ils ont quand même lancé Ismaïla Sarr, ils ont quand même lancé Sadio Mané. Quand même, ils ont lancé quand même du lourd. Hein. Je tiens à dire que c'est quand même une grosse équipe. Les remplaçants, malheureusement, il y a un petit bug en ce moment sur un truc. Donc, je peux pas montrer les remplaçants, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On rappelle quand même le classement. Les amis, tiens, avant qu'on voit les infos club, dites-moi en commentaire à quoi vous attendiez pour les Stéphanois, les amis. Salut Toxic, comment tu vas? Qui dislike? C'est pas grave, frérot. Ceux qui dislike, ce n'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. Voilà, les amis, dites-moi en commentaire, en gros, quel classement attendiez-vous pour les Verts? Dites-moi, quel classement attendez-vous pour les Verts, en gros? C'était quoi? C'était un classement plutôt du top 10, une Europe avec Puel? Parce que, mine de rien, il est passé aussi, Puel... meilleur centre, bah pas meilleur centre d'entraînement non plus, mais meilleur formateur de jeunes. Il a lancé Madi Camara, il a lancé quand même pas mal de jeunes. Hein. Salut Olivier, ça va bien toi aussi? Salut Thomas, aucune vision pour les Verts. Bah à voir. Hein. Et vous pensez vraiment, tiens on va faire un petit sondage, vous pensez vraiment que les Verts vont descendre? Victoire impérative Olivier, bah tu m'étonnes, c'est impératif de ouf. Hein. Alors, on va parler des Verts. Les Verts, le maintien, oui ou non? On y va, les Verts, le maintien, oui ou non? 14e, mais j'ai cru entendre que Jean-Luc Clermont avait des problèmes de... Non, bah non, mais ça s'est réglé. Enfin, il a eu des problèmes extra-sportifs, mais ça s'est réglé apparemment. Il sera là demain. Les Verts le maintien, oui ou non, les amis? On y va. Est-ce que les Verts vont se maintenir? Oui ou non? On y va en commentaire. Je pense que oui. Hein. Enfin, c'est compliqué. Qui, à votre avis, est plus faible que les Verts? En fait, il faut réfléchir dans ce sens-là. Qui est plus faible que les Verts? En gros. Salut mon Hugo! Tu peux m'enseigner sur la chaîne. Bah c'est Amazon Prime, justement, je vais mettre en exergue. C'est Amazon Prime, mon frérot. Amazon Prime. One Football, c'est trop bien. Ah, je vous avais dit, les frérots. Vous avez dit. Salut, Ezy. Alors, oui. Ah, les Verts le maintien, oui, tu vois. Mais qui est plus faible que les Verts, les amis? Quelle équipe, pour vous, est plus faible que les Verts? Est-ce que Clermont est plus faible que les Verts? Est-ce que une équipe comme 3 est plus faible que les Verts? Est-ce qu'une équipe comme Bordeaux est plus faible que les Verts, tu vois? Est-ce qu'une équipe comme Metz est plus faible que les Verts? Est-ce qu'une équipe comme Brest est plus faible que les Verts? Tu vois, il faut se poser des questions par rapport à ça. À votre avis, quelle équipe est en dessous de l'autre, tu vois? En gros. Brest plus faible. Salut, c'est Celtic Warrior, comment tu vas? Perso, je pense qu'ils vont perdre en barrage. C'est vrai qu'il y a les barrages. Hein. Les Verts sur le terrain, c'est pas mal en vrai. Metz peut-être. Alors, Brian Solak qui dit Metz peut-être, mais ils sont équitables sur le plan collectif. Et talent pire, je dirais 3 Metz sont plus faibles. Bordeaux est plus faible, Brest, Bordeaux. Ah, tu vois, il y a des équipes quand même qui sont plus faibles, vous dites. Je pense. Mais, de toute façon, il faut essayer d'être derrière son club. Derrière son club. Et ça, c'est inévitable. Moi, je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Claude Puel, je suis pas forcément un grand fan de Claudio. Malgré que c'est quand même un entraîneur qui a beaucoup performé par moment avant sa période un petit peu anglaise à Leicester, tu vois. En fait, c'est un entraîneur qui a des périodes, tu vois. À Leicester, il était très très bon. À Southampton, il avait une période aussi, quand même, mine de rien, assez intéressante. Et on peut quand même se dire que c'est un entraîneur qui a des idées. Et donc, il faut lui laisser plein de temps. Le problème, c'est que tu te sens un petit peu en prisonnier. Par son entraîneur, tu vois. C'est ce qui est dit un petit peu dans le jargon. Salut mon Fabio, t'as reçu mon snap hier, je suis revenu sur snap. Alors, un truc de ouf. Hein. Quand je reviens sur snap, c'est un truc de ouf. Plus faible qu'une antenne rouge, personne. Ah, ok. Je vous rappelle les compos ici, les amis. On va passer aux infos club tranquillement. Oukidja, Delaine, Kouyaté, Jemerson, Brown, 111. Alors, apparemment, si je me trompe pas, dans l'axe du terrain, il me semble que c'est Kiki Kouyaté qui est dans l'axe. En position un petit peu, c'est un petit peu bâtard sa position, c'est-à-dire que il est annoncé un petit peu à la Marquinhos, tu vois. Jemerson est plus à gauche et Kouyaté est annoncé un petit peu sentinelle libéraux, tu vois. Donc c'est un système un petit peu hybride qui a fait Antonetti, pas possible. Kouyaté ici un petit peu annoncé plus haut, à voir. Donc je vais mettre un tout petit peu plus haut Kouyaté. Du genre Comas, voilà, un petit peu en sentinelle. C'est un truc hybride pas mal. Endoram, Boulaya, Maïga et Boulaya un peu plus haut aussi, mais bon, on verra. Et on a donc du côté d'Axo, Camara,
Zedou, Youssouf, Neyou, Gournadoise, Boudbouz. Non. Donc un 4-4-2 losange pour Claude Puel et un 5-3-2 ou un 5-2-1-3-1-2 pardon pour l'ami Antoetti. Donc c'est très bizarre cette compo. Je vous avance un petit peu. Kouyaté. J'ai mis au milieu Kouyaté. Voilà. Ça, Java, je sais que t'as du boulot, tu peux répondre. Non mais Snap, c'est une catastrophe. J'avoue. C'est pas le FC Metz. Oh, fan du Barça quand même. Metz et Saint-Etienne sont derniers dans le classement. Ouais, Pierre, c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud de voir un classement comme ça. C'est quand même très très chaud. Bon, on est parti les amis pour les infos clubs. Et là, on va un petit peu moins rigoler pour les infos clubs. Pourquoi? Parce que vous allez voir quand même que, eh ben, on a affaire à deux clubs qui sont vraiment en panique de points depuis mais un moment. Hein. Encore une fois. Hein. Salut Seigneur. Bref, c'est pas fait. Vous êtes fous. Match contre Lyon, Rennes, Lille, on manque à chaque match et à pire comme Saint-Etienne. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors, on y va avec ici, hop, voilà. Salut Super TGV. Vous avez vu, cette équipe, c'est ASSE Bordeaux, Metz, clairement, est trop faible, ça repose sur un ou deux joueurs, ils ont le problème inversé de Paris. Ah, putain, Paris hier, c'est un truc de ouf. Hein. J'avoue, c'est décevant ce match-là. Décevant ce match-là pour les Parisiens. Après, on verra. Allez, on continue un petit peu pour les infos clubs, les amis. Hop, attendez, je fais ça comme ça. Voilà, est-ce que c'est bon? Je regarde juste un petit truc, les amis. Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est bien? Attendez, bougez pas. Est-ce qu'on est bien? On est bien en live? Ouais, c'est bon. Tranquille, t'es pour quelle équipe? Moi, je suis Rennais, mon frérot. Je suis anti-PSG et Real et Metz. Ok. Si Boudbouz. T'es anti-Metz? Mais t'es pour qui, mon frérot, là? Si Boudbouz est en forme, Metz n'a aucune chance. Et la danse, c'est une catastrophe. Fan du Barça et moi anti-Barça. Ok. Et fan anti-Messin? C'est chaud sur le live, mais dehors, il pleut depuis ce matin. Ouais. Moi, ça va en Bretagne. Enfin, il y a des nuages, mais c'est comme ça. Allez, on y va pour les infos clubs, mes amis. On découvre un petit peu les infos clubs qui font mal un petit peu. Hein, qui font mal. Donc, la forme messine. Recordman. Alors, les amis, qui est supporter messin sur le live? Et qui est supporter Stéphano? Juste pour savoir, qui est supporter messin et qui est supporter Stéphano? Dites-moi en commentaire. Moi, je pense que les Verts gagnent 2-1, mais il faut que Saint-Etienne remonte. Ah, mais même Metz, hein, il faut que tout le monde remonte, en fait, tu vois. Salut Marie-Pierre Fagnonet. L'Angoulême, c'est un monstre, il a déjà commencé le carnet d'adresse pour Mercato. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, tu m'étonnes. Le classement de Marseille est quand même pas mal, hein. Alors, Metz occupe toujours l'avant-dernière place du championnat de France avec une seule victoire après 11 journées. Les amis, contre qui les Messins ont gagné? Bon commentaire. Bah carrément Brian. Saint-Etienne, je suis parisien, et Saint-Etienne pour Corentin. Metz, une seule victoire les amis, après 11 journées de championnat. C'est quand même assez incroyable. Moi je suis un peu anti-Messin parce que... Ah, Strasbourgeois. Ok. Je comprends. Hop. Les deux Thomas que meilleur gagne pour nous. Je suis FC Metz pour le roi. Ça va carrément bien. Ça va carrément bien. Donc Metz, une seule victoire contre qui avaient gagné les Messins. Ça va être important quand même. Tu fais quoi comme match ce week-end? Tous les matchs de Ligue 1. Tu connais Pleskov? Ouais, de nom mon frérot. Ouais. Peut-être Kibon et Van, ouais. Pas celui-là, le prochain Thomas, il n'y a pas le temps, Longoria. Ah ok. Une victoire. Metz, une victoire. Je supporte le PSG, mais je suis passionné de foot, alors je suis sur les autres équipes. T'as le bonjour de mon fils Mathéo. Eh ben, enchanté Mathéo. Mathéo, enchanté. J'espère que tu vas bien mon frérot et que tu passes un bon week-end avec tes parents. Écoute tes parents mon frérot. T'as le bonjour de Mathéo. Ben, salut à Mathéo. Alors, contre qui ils avaient gagné les Messins les amis. Vous êtes Messins, donc normalement on devrait savoir. Allez, les Nancéens aussi. Il y a des derbies pas mal du côté de l'Est. Hein. Tu es d'où? Je suis Rennais, moi. Allez, la messe me parle en soi. N'oublie pas de liker. Exactement, Manou. Exactement. Bon, on continue un petit peu. Donc, une seule victoire sur 11 journées. Et c'est vrai qu'encore une fois, hein, je tiens à dire, le classement est vraiment un petit peu décevant. Je tiens à dire. Contre qui les Messins, les amis, avaient gagné? C'est facile. Normalement, vous devriez savoir toutes les victoires messines. Hein. Vous devriez savoir, les amis. Ce sera Lyon contre Lens. Contre Brest, exactement. Ils avaient gagné contre Brest. Et mine de rien, c'était une victoire ô combien importante. Hein. C'est une victoire importante. Donc, c'était même une victoire pour le maintien, hein, les amis. Donc, mine de rien, Brest avait gagné 2-1. Sinon, ils ont défaite
contre 3, défaite contre Strasbourg, contre Paris, contre Brest, il a gagné, défaite contre Angers 3-2, match un petit peu bâtard, aussi, il menait, hein. Contre Rennes, il n'y a pas trop de secrets, Lens, il s'est revenu à un partout, et là, ils ont Saint-Etienne et ils ont Marseille, ils vont au Vélodrome juste après, donc mine de rien, c'est assez chaud pour eux. Hein. Ils ont battu Brest, hein. Ce soir, Lyon contre Lens, ah bah c'est un... hey, ce soir, ça va être un match de dingue. Ce soir, les amis, on annonce du feu partout, partout. Salut mon Marc. Saliba Arsenal, ils en veulent 65 millions. Ah bah tu m'étonnes vu comment ils performent. Donc, une seule victoire contre Brest et au classement, c'était important. Et écoutez-moi bien, la défense la plus défaillante de Ligue 1, 26 buts encaissés après 11 journées. C'est le pire du club au même stade depuis 49-50. Ça fait donc 71 ans que Metz n'a pas encaissé autant de buts à la 11e journée. 26 buts encaissés, c'est énorme. Je ne sais pas quel est votre pronostic, les amis, mais voilà. Et j'ai même pas mis de buteur. J'ai mis Lamine Gay, bon, qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il est dans les remplaçants, le Sénégalais. Lamine Gay, j'ai mis une passe D, ce que j'avais mis en avant. Il est là, le Sénégalais. Et quand même, il y a 4 Sénégalais. 5, Nguet, Mbengue, Gay, Sarr. Et Yadé. Ah, Pape Badarsa ne joue pas. Ils sont bizarres quand même. Le joueur qui est prêté par Tottenham a été acheté 15 millions d'euros. Donc, hey, 26 buts. 26 buts. Pas de Nancy-Metz avant longtemps quand on voit les thèmes de son respectif. C'est compliqué, hein. Bah attends, Nancy, ils sont dans les dernières positions, mon Devoti. Salut Raymond Orban. J'aimerais le garder, mais c'est pas possible. Ah, 65 millions, c'est impossible. À part, t'as vu le pif ou MBS là, hein? Ils veulent acheter les clubs satellites, même si l'Inter a en gros débunké cette nouvelle, pourquoi pas. Ouais, c'est à l'extérieur les Rois en plus. Salut Rémi Orban. J'aimerais. Ouais, non, tu m'étonnes. Donc, j'ai mis Lamine Gay en passeur. Bon, je pense que buteur. Je suis bien un petit de Préville comme buteur, je sais pas pourquoi. Et la défense, donc 26 buts en défense. Rendez-vous compte en 11 matchs. C'est un. Rendez-vous compte en 11 matchs, tu fais la moyenne. Ça fait plus de 2 buts par match, environ 2, plus de 2 buts par match, largement plus de 2 buts par match. Donc quand tu penses quand même que tu dois marquer plus de 2 buts parce que tu en prends 2 à chaque fois, c'est quand même assez complexe, hein. Tout le monde n'est pas Bielsa dans sa tête et ne gagne pas 3-2, tu vois. C'est énorme de prendre plus de 2 buts par match à chaque fois, ça prouve quand même le délire. Je tiens à dire quand même, c'est trop tôt pour se maintenir, les clubs ils prennent trop de buts. Bah ouais, 2 buts par match, c'est énorme, hein. Tu crois Zidane au PSG? Peut-être dans le football, mon frérot, tout est possible dans le football. Dans le football, tout est possible, donc à voir pour l'instant. Pour l'instant, il se passe rien. Pour l'instant, on attend, mais on verra. On verra ce qui se passera dans le délire, mon frérot. Hop. Demain soir, il y a toujours Clermont. Ouais, Clermont-Marseille, ça peut être pas mal. Merci. Ça peut être pas mal. Clermont-Marseille, ça peut être bien. C'est trop tôt pour se maintenir. Demain soir. Salut mon Levec Tourné, comment tu vas? Franchement Thomas, avant toi-même, je suis saoulé. Ah bah oui, elle était en top 8 il y a pas si longtemps que ça, je crois. Elle était en top 8 il y a 2 secondes, il me semble. Enfin, il y a pas 2 secondes. Hier ou avant-hier. Donc voilà. Les compositions d'équipe, je vous les remontre. Hein. On a Oukidja, Delaine, Jemerson, Kouyaté, Braun, 111, Maïga, Boulaya, Endoram, Niane, Depréville. On a Green, Masson, Koïdesiak, So, Kamara, Neyou, Gourna, Zedou, Boudbouz, Nordin et Kazri. La liste du banc. Non, j'ai pas des votes. Il y a un petit problème. Attends, je vais regarder si je l'ai autrement. J'ai un petit problème aujourd'hui avec mes petits programmes. Donc pour l'instant, je n'ai pas de système. Salut, bon, c'était Dertex, comment tu vas? Ça va très très bien, très très bien. On est en forme pour suivre ça. Donc on a un 4-4-2 losange à peu près pour Puel qui a durcifié un petit peu son milieu de terrain. Et on a un 5-3-2 avec Kouyaté apparemment qui a un petit peu avancé en sentinelle. Et c'est bizarre, hein, la compo est bizarre. On aura même un Niagne sur le côté. Un 4-1-4-1 apparemment pour Antonetti, mais j'attends vraiment de voir comment ça se passe en tout cas. J'ai entendu parler que le PI va rencontrer QSI. Ah. Pourquoi faire? Ah oui, bah oui, en même temps, ouais, ça me paraît bizarre quand même. Match de la peur entre deux équipes qui ne devraient pas être à leur place. Je suis d'accord avec toi quand même, c'est un petit peu dur, hein, de voir le classement. Alors maintenant, les infos club numéro 2 de Saint-Etienne, on y va. Alors, les supporters des Verts, les amis, que vous êtes là, avec un petit peu de panique, les supporters des Verts doivent remonter à la saison 88-89. Ça, j'avais déjà dit à l'époque,
Ils doivent remonter à la saison 88-89 pour être aussi mal classés. Et surtout, pour avoir gagné autant peu de matchs. Pour trouver la seule fois où Saint-Etienne n'a pas réussi à gagner lors des 11 premiers matchs de Ligue 1. Ça fait donc 33 ans que Saint-Etienne n'a pas gagné lors des 11 matchs de Ligue 1. N'empêche Cazerie. Ah bah Cazerie dans le top buteur. Hein. Donc rendez-vous compte quand même, on a depuis 71 ans un Metz record de buts encaissés et on a depuis 33 ans un Saint-Etienne qui n'a pas réussi à gagner lors des 11 matchs de Ligue 1. C'est un truc de ouf quand même. Aucune victoire pour Saint-Etienne. Hein. Vous rendez-vous compte quand même. On a deux équipes aujourd'hui à Saint-Symphorien qui n'ont gagné qu'un seul match en tout. Défense, maintenant. Et donc, c'est pour ça Jérémy Bouet, je suis d'accord avec toi. C'est une relation de ouf entre les deux. Bonjour Patrick Pouget. J'espère que Saint-Etienne va prendre quelques points. Ouais, match au sommet. Ah bah non mais ouais. Et donc, j'ai parlé de Cazerie justement. La défense de Saint-Etienne est la même que Metz. Metz a encaissé deux buts de moyenne depuis le début de saison. Et Saint-Etienne, en moyenne à l'extérieur, c'est 3 buts par match. J'ai mis quand même une stat assez en exergue pour vous dire que ça sent le souffle pour les deux. Hein. Ça sent le souffle pour les deux. Hein. T'imagines quoi ? Saint-Etienne, les amis, 3 buts en moyenne par saison. Par match. Et Cazerie, buteur, évidemment, c'est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, faut quand même le dire. Bobby Cazerie, l'ancien Bordelais, Bastiais, de Sunderland et de Rennes. Il est mine de rien dans le top 5 avec David qui a marqué son 8ème but hier, les amis. Alors, ouais, je sais, les rois. Donc, les amis, avec une équipe qui prend 2 buts en moyenne par match depuis le début de saison et une équipe qui prend en moyenne 3 buts à l'extérieur en début de saison, vous attendez à quel match, les amis ? Dites-moi en commentaire, vous attendez à quel match ? Normalement, quand tu calcules, ça fait que Metz, Saint-Etienne, il y aurait 3-2 pour Metz. Théoriquement, on est d'accord. Ça, c'est comme ça. Quand tu calcules, c'est comme ça. Bah ouais. Tu calcules 3 buts à l'extérieur pour Saint-Etienne, en moyenne. Tu calcules 2 buts pour Metz. Donc Metz a 2 buts et Saint-Etienne 3 buts. Donc ça fait 3-2. Est-ce que ça vous va ? Non mais, il y aura des buts. Il peut pas avoir 0-0. C'est pas possible. Merci mon Denis. Allez vers, je suis pas loin du 4-4. Ah bah ouais, du coup, je pense qu'il n'y aura pas de but. Et toi Thomas, après 2 ans de vente d'OM, tu crois encore oh. J'attends de voir, je me suis enflammé aussi. Hein. C'était l'époque Covid, je crois, ou c'était l'après-Covid. Sur la vente OM, j'avais invité des gens, des canoutiers, des molinards, j'avais invité quand même pas mal de monde. Des mourades aussi, à Hertz, du Football Club Marseille. Donc je me suis intéressé, mais c'est compliqué. Saison 88-89, les Verts avaient attendu la 14e journée pour gagner leur premier match contre Toulon. Exactement, Lionel. Ils avaient attendu la 14e journée, ils avaient fini 14e justement. Donc ils s'étaient maintenus en D1 à l'époque. Je pense que Rennes a gagné contre 3. Oui, je pense le Panda. Après, c'est une équipe joueuse à Battle, c'était un ancien Rennais en plus. Donc souvent, à voir. Une équipe qui joue vers l'avant. Moi, l'hypoténuse, ça fait 2-1 pour Under. Un match moyen, je pense. Ah bah oui, match moyen. En tout cas, je mets buteur Cazerie et je mets passeur Lamine Gueye. Il n'est pas titulaire. Et je vois bien De Préville marqué sur coup franc. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, les amis. On voit les compositions d'équipe et on analyse un petit peu le classement du jour, les amis, évidemment. Ce soir, j'espère qu'on va, kiffer ensemble cette rencontre qui va s'annoncer bouillantissime à Saint-Symphorien, je pense. En tout cas. Enfin, j'espère. Parce que là, on est vraiment au bord de la crise de nerfs pour les deux équipes, sachant que, mine de rien, t'as un entraîneur comme Puel qui est au porte d'une licenciement, je pense. Hein. Mais il coûtait 4 millions d'euros et Antonetti, je sais pas. Oukidja, pardon, Delaine, Jemerson, Kouyaté, Braun, 111, Maïga, Boulayan, Doram, Niagne, De Préville, et on a Cazerie, Nordin, Boudbouz, Zedou, Neyou, Gourna, Masson, Colédiac, So, Camara et Green. Les remplaçants, donc on a Alakouche, Bassi, Caillard, donc gardien, l'ancien Gagampé, Lamine Gueye, Mbengue, Opa Nguette, Pajot, Papa Tarsar et Yad. Et pour les Stéphano, on a Aouchiche, Bayich, Buanga, Gabriel Silva, Amoua, Crasso, Mouefek, Nad et Ignacio Ramirez, donc qui ne joue jamais. Lui, je ne sais pas pourquoi, les amis, il est venu à Saint-Etienne. Parce que mine de rien, on le voit jamais, les frères, on le voit jamais. Saint-Etienne, ils encaissent facilement les coups francs
Donc ça serait pas étonnant, un but de Deprivid sur coup franc. Ah ouais, c'est quoi ces pronostics pour match de la deuxième journée? Ouais, le panda là, tu me prends de court. On en parle à la mi-temps si tu veux. À la mi-temps, en mi-temps on en reparle, comme ça on est cool. Allez Metz, désolé Thomas, je peux pas rester, je suis en Égypte. La classe. Putain, la classe. T'es en vacances mon frérot? Pas forcément en tout cas. La classe. On a quelqu'un qui est en Égypte actuellement. J'ai parié, j'ai mis nul, tu passes. Je pense que ça bâti sur le banc, c'est plaisir. Espérons qu'il rentre et que le monde s'y fait faire pour DL Devoti. Match nul, ça passe. Je pense. Allez, on est parti les amis pour l'avant-match. C'est terminé, on rentre dans le match. On est combien sur le live? On est 240. Ça va aller tranquillement évidemment. C'est pas non plus une affiche exceptionnelle pour certains. Donc les gens viennent parce qu'ils sont supporters de leur club évidemment. Donc ça va être plutôt cool de voir ça les amis. Ça va être cool. Donc j'espère qu'on va kiffer ensemble. Je regarde juste si dans les recherches, je suis bien référencé. Je regarde un petit peu si on est bien référencé dans les recherches. Hop, on y va, c'est parti, c'est pas. Ouais, c'est bien. J'ai la haine pour hier, Joe David aurait dû mettre la reprise de volée. Ah, l'advent, tu m'étonnes, c'est le fait avec Trubert. Toulouse-Guingamp, 2-2. Ah, c'est bien ça pour Guingamp. Allez, on rentre dans le match, les amis, on rentre dans le match. C'est parti, on y va, go. Les deux compos, comme on a dit, avec Oukidja. Je suis pas sûr du système, j'attends de voir un petit peu. Gemerson, Kouyaté, Brown, 111, Maïga, on a du Endoram, et devant, donc c'est Nian ou Deprivid. Encore une fois, à voir comment c'est disposé. Et Green, Masson, Kolidiakso, Kamara, Neyou, Gourna, Zedou, Boudbouz, Nordin et Wabi Kazri, le Tunisien, donc le meilleur buteur de Saint-Etienne et dans le top 5 des buteurs tout court. Le deuxième meilleur buteur, les amis, avec pas mal de monde. Normalement, Kazri devrait marquer. Allez, c'est parti. Timéo. Ouais, s'il a le temps, mon frérot. Ouh là là, il est ultra débordé, mon ami. Ultra débordé. Je verrai ça, mon frère. Mais c'est possible que j'y pense pas, malheureusement. Web Thomas, dernier de vacances. Ah bah, yonk, mon frérot, c'est cool. Allez, on y va. C'est parti pour, les amis, le petit pronostic, on y va. C'est parti pour le petit pronostic. J'allume mon petit décodeur. Ici, on est sur Amazon Prime Video. Moi, j'annonce donc un 3-2. Je sais pas pour qui, en tout cas, mais j'annonce des buts. J'annonce des buts, les amis. J'annonce des buts. Je mets le petit message ici. Allez, salut Butterfly. On y va, les amis. J'annonce des buts. On est parti donc sur ici, FCMS. Salut tout le monde. Salut Butterfly Rap. Je pense que Saint-Étienne va gagner. On verra. On va voir. On va voir un petit peu ce qui se passe. Mais ça fait rien. Ça va être bouillant. Allez, les amis, on y va. C'est parti dans le live. Moi j'annonce un 3-2. J'annonce des buts de ouf avec des festivals, des actions incroyables, un partout comme d'hab synthé, dit Yacine. Bah oui, évidemment Yacine, mais reste tranquille Yacine. Bah reste tranquille, évidemment, reste comment dire gentil. Oh, Pablo Saibi, Yotama, merde, j'arrive plus à dire mon prénom. Yotama, ça va ou quoi? Ça va très bien le mien. Par ma danse, ça va bien. Comment tu vas? C'est une chicha que t'as sur ta photo de profil, mon frérot. Comment tu vas? 2-0 pour Saint-Etienne pour Mathilias. Madame Frappard et Antonetti. Ceux qui veulent évidemment voir les émoticônes, vous savez ce qu'il faut faire, les amis. Allez, je mets le petit live en exergue ici avec Lyon-Lance. Mademoiselle Frappard à la pression pour ce match, en tout cas. Le choc Lyon-Lance ici. Allez, les amis, bonsoir. ST Gamer, comment tu vas? On y va, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Allez, ça va être chaud, les amis. Ça va être vraiment bouillant cette rencontre. J'espère qu'on va kiffer. Et j'épingle évidemment le petit message là. Et c'est parti pour le coup d'envoi, les amis. Coup d'envoi de cette rencontre à Saint-Symphorien entre Saint-Etienne et les Verts dans un match qui s'annonce électrique. Malheur aux perdants, je tiens à dire, malheur aux perdants. Et là, faut vraiment être vigilant sur la cohésion d'équipe et sur l'intensité que tu mets dans le match. Avec le ballon maintenant qui est remis sur saut. C'est du saut avec le petit relais sur Timothy Kolediak qui est redevenu un petit peu titulaire depuis un moment avec peut-être les blessures de Moukoudi à voir, avec la récupération maintenant pour Endoram, avec la remise pour Kolediak sur Ivan Masson, pour Zedou Youssouf qui passe devant Maïga, à nouveau pour Masson qui va redonner sur Kolediak qui retourne derrière sur saut avec le gardien Étienne Green. Match qui va commencer timidement, je pense. À mon avis, les Verts vont avoir la possession de balle. Ça va être comme ça, je pense. Je pense que ça va être comme ça. Allez, avec le ballon maintenant pour Sceaux, avec Kolediak.
Je vais mettre un autre stade en exergue. Parce que j'avais un stade avec du monde. Ça va être beaucoup mieux, ça. Allez, avec. Ici, voilà, c'est mieux. Il y a plus d'ambiance. On est là. Je vous mets les compositions d'équipe. Vous arrivez avec le ballon pour. Oh, l'énorme don de Christophe Pedrolo de 20 euros. Bim, bim, bim. Merci, mon frérot. Quel énorme don de Christophe Pedro à l'instant. Allez, Saint-Etienne. Merci, mon frérot. Quel énorme don de Christophe, là. Oh là là, il a tout tué. Il a tout tué le game. Merci, mon Christophe Pedrolo. Énorme soutien de la part de Christophe, là. Merci, mon frérot. Des grands GG. Salut, mon Pierre-Louis. Des grands GG, les amis. Merci à toi. Cœur patate, cœur Batman. Merci du fond du cœur. Merci, mon frérot. Putain, tu me. Oh là, il vient de me couper les pattes dès le début du match. Faites-moi des énormes GG à Christophe Pedrolo. Merci, mon frérot. Incroyable. Salut, Spiridon. Ah, avec le ballon maintenant pour dégager par Oukidja avec le pressing de Kazri. Il écarte loin devant. Mauvais dégagement de la part de l'Algérien. Et c'était destiné à Delaine, mais ça n'a pas été donné. Je vais me donner un petit peu les petites côtes aussi hein, qu'on a à voir ensemble. Faites-moi des GG, les amis. Faites-moi des énormes GG à Christophe Pedro. Je veux tous des GG, vous êtes incroyables. Allez, avec le ballon maintenant qui est remis sur Ivan Masson. Ah, c'était pour un Messin, un Grona, mais c'est pas malheureusement arrivé dans les jambes de Boulaya. Et ça écarte encore une fois sur Ivan Masson. L'appel là-bas de Riyad Boudbouz côté gauche en position d'ailié. Le bon contrôle de l'Algérien devant Dylan Brown avec une strap pour le tunisien. Il écarte sur Kazri maintenant. Kazri, la longue transversale pour personne. Et ça passe quand même pour. Pour Madi Camara, le capitaine, un petit peu en position latérale. Madi Camara, l'accélération. Et le ballon dégagé par Kouyaté. Récupéré maintenant par Zidou Youssouf. Le pressing des Verts dès l'entrée est intéressant. Des grands GG à Christophe. Merci, mon frérot. Incroyable. Incroyable. Ça va m'aider à payer ma couronne. C'est le mec. Oh putain. Pour les vieux, c'est la couronne. T'sais. Allez. Avec Zidou Youssouf. 2-32 jeux. Avec. Koizak qui aiguille un petit peu sur Ivan Masson avec le petit relais sur Boudbouz en position d'ailier. Donc c'est bien quelques de losanges. Et Boudbouz est plutôt sur le côté gauche avec le ballon pour Gourna. Ça donne magnifique de Masson, mais c'était devant Delaine. Ça n'a pas suivi. Et là il y a un contre maintenant côté gauche pour Ibrahim Agnagne. Avec récupération maintenant pour Boulaya, Farid Boulaya, l'Algérien qui va s'accélérer. C'est la première incursion des Grenats. Le ballon pour Delaine qui est rapide, contre favorable. Et le corner pour les Messins. Corner pour Metz, les amis. Ça y commence, ils ont eu 3 minutes de flottement et corner pour les Messins. La couronne du roi. Salut SMG, salut Jules. Salut Sophie la France, ça va très très bien. Salut Michel Pereira. Bah je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu mon vieux. J'ai déjà vu. Et les stats donc arriveront quand ils arriveront. Il y a un petit souci sur les stats. Avec Boulaya maintenant, le centre de Farid Boulaya. La tête de Dylan Brown au premier poteau dégagé par Etienne Green. Ouh, important de bien se munir du ballon pour le gardien là, l'international. Espoir, il y a un joueur à terre, c'est Neyou, elle a l'air blessé déjà. Ivan Neyou est au sol, est touché. Mabedel Frappard va peut-être aller voir les joueurs pour filer un soin là. Et là c'est vrai qu'on se pose des questions. Là, qu'est-ce qui se passe? Il est touché. Hein. Il est touché Neyou. Il a l'air touché au sol. C'est bizarre. Hein. Il est touché au sol et il est un petit peu. Merci DL Devoti pour don de 5 euros. Putain, vous êtes incroyable de soutien, vous êtes incroyable de soutien. C'est juste une dinguerie. Il y a la cheville de Zedou Youssouf qui a tourné, l'ancien Bordelais. Merci DL Devoti, on profite de ce temps mort. Merci DL Devoti pour l'énorme don là. Putain, mais vous êtes incroyable. Merci pour toi et à toi 5 euros. Faites-moi des grands GG. Touché coulé, Gwen. Putain, vache. Il y a Christophe qui me coupe les pattes et puis il y a Devoti qui me. Merci mon DL Devoti. Merci du fond du cœur. Franchement, des grands GG. Hein. Des grands GG, ton don apparaît en dessous. Avec. On est en mode abonné ou pas là? Je ne suis pas sûr. On est en mode abonné ou pas? Je ne suis pas sûr. Parce que là, vu que je ne comprends rien à ce mode abonné, je vais peut-être l'enlever. Mode abonné, tout le monde. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il est enlevé là? Et là, il y a. Merci du fond du cœur. Et là, on a vu. Ah! Il y a peut-être un pénalty. Bah non, c'est pas un penalty, c'est une défense. Il a marché, Kouyaté a marché sur la cheville de Youssouf. C'est pas forcément volontaire, les amis, mais en tout cas, ça peut faire mal cette histoire. Ah, Youssouf, ah, c'est blessé. Et c'est Mouefek, déjà une blessure. Changement pour les Verts, déjà, les amis. Aïe, 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 changement pour les Verts, déjà. Avec la blessure de Youssouf. Ah là, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage ce qui se passe vraiment là.
Grosse blessure là avec la cheville a été touchée sur Youssouf malheureusement. Ah c'est dur, c'est très très dur. Avec le ballon qui est maintenant dégagé par Sow pour trouver un petit relais assez loin. Avec Moby Kazri, récupéré par Kouyaté. Et changement, je pense qu'il va sortir de blessure on a bien. Avec le ballon qui est côté gauche maintenant, ça va essayer d'écarter. Je pense qu'il va sortir directement de blessure là le joueur. Et les Stefanov vont avoir un nouveau minuteur. Ah c'est bon, il est revenu. Ah non, c'est Moefek qui revient. C'est Moefek qui revient, Ahmed Moefek. Ah la blessure qui tombe mal hein, pour le joueur. Ah il est blessé largement. Et c'est un bon milieu de terrain en plus hein. C'est un très bon milieu de terrain, il est blessé, il est déjà blessé. Déjà blessé les amis. Assez dingue quand même, il est déjà blessé le joueur. Je sais quoi ce délire. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, avec je comprenais pas. Oh! Excuse-moi, Sophie! Pour le don de 2 euros! Vive les dents! Excuse-moi, ma Sophie! Des grands GG à Sophie, excuse-moi! Vive les dents, Sophie, tu m'étonnes! Et il y a donc un joueur blessé déjà. Il y a déjà un joueur blessé. Hein. Il y a déjà un joueur blessé, les amis. Et carton! Oh putain, il est blessé. Hein. Oh là là, il est touché au sol. Hein. Il est vraiment touché, le joueur. Merci à Sophie La France pour le don de 2 euros. Merci, ma belle! Des grands GG à toi! Merci! Vive les dents! Tiens, tu m'étonnes. Merci, merci du fond du cœur. Avec Kouyaté maintenant. Allez, Kouyaté côté gauche pour Brown. Avec Kouyaté qui va encore une fois essayer d'accélérer, de trouver du mouvement un peu plus haut. Avec Kouyaté côté gauche, avec la récupération peut-être pour Niagne. Et la faute, et coup franc pour les Messins les amis. Attention, Farid Boulaya. Salut Fabien. En plus, c'est dans ces deux déconnes aussi. Ah putain, mais j'étais en train de gérer le classement en tout cas. Non. Non, t'inquiète. Ah non, ça va. Imagine la fin des haricots quoi. Salut Thomas, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très très bien. Lui. Et là, ouais, il y a Gournadoise donc qui a fait une faute. C'est pas non plus une faute ultra méchante. On va voir ça un petit peu ce qui se passe. Ah, Etienne Green qui place son mur. Et le classement, il arrivera quand il arrivera, les frérots. Pour l'instant, je l'ai pas eu tout le classement. Pourquoi? Je mets le classement du top 20 ici, est-ce que je l'ai? Ah bah c'est ça. Allez Boulaya, il étire bien Boulaya, attention. Farid Boulaya, c'est bien tiré. Oh le but! Le magnifique golazo pour les Messins, incroyable! Le but de Farid Boulaya. Et voilà, il est là Boulaya. Magnifique but. Quel pétard énorme de Boulaya les amis. Incroyable de golazo. La pleine lucarne d'Etienne Green était normalement au bon niveau, à mi-hauteur. Magnifique l'Algérien qui marque un but. But de Metz. Et les Verts continuent un petit peu leur descente. Et les Verts vont être derniers et même décrocher un petit peu de ce classement. Et but de Farid Boulaya. Quel pétard énorme de l'Algérien là. Et elle est touchée par Green, mais visiblement pas assez. Et 1-0. Son deuxième but de cette saison est ô combien important les amis, ô combien important. Ah là c'est chaud hein. 1-0 pour les Verts, non contre les Verts. Oh la vache. Et là ils vont devoir réagir les amis. 1-0. Quel but. Avec normalement les Messins donc ont 8 points. Oh la vache c'est chaud hein. Avec le ballon maintenant directement dégagé par l'attaque de Nicolas Depréville qui va s'élancer. Donc il y aura des buts, c'est clair que les équipes vont se lâcher. Sur un coup de pied arrêté, Boulaya, j'aurais pu mettre en buteur sur un coup franc. Eh, j'avais dit buteur sur coup franc de Depréville. Non, c'est pas ça que j'avais dit, David. Allez, avec, oh la vache, le ballon maintenant qui est récupéré par Timothy Codeda, qui a pas de faute pour l'arbitre. J'avais dit buteur, les amis. Sur coup franc, j'ai pas eu bon, mais je suis presque là. Hein. Avec le ballon dégagé pour qui est récupéré par Boudbouz. Avec la petite déviation d'Endor hein, maintenant pour 111. Magnifique, hein, Kazri ressemble à... Je connais pas ça, Los Santos. Magnifique, 9 points pour Metz à hauteur de Bordeaux. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas le bon classement, il va arriver, ne vous inquiétez pas. Hein. Avec Nordin, incroyable quand même, incroyable.
Et après, les amis, encore une fois, c'est pas grand chose, hein. C'est juste un coup franc, tu vois. C'est juste un coup franc, donc à voir. Magnifique, ouais. Ouais, il est beau, hein. C'est bien tiré, mais Étienne Green était sur la trajectoire. Mais là, c'est inquiétant, c'est pour Saint-Etienne. Hein. Et ben non, pour Ruben Masson, encore une fois, côté gauche, Masson qui va écarter. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est de savoir comment les Verts vont réagir par rapport à ça, tu vois. Allez, avec le côté gauche maintenant, ça va être. C'est récupéré par Étienne Green. Il pouvait pas grand chose en plus, Étienne Green. Hein. Il pouvait pas grand chose, il a fait ce qu'il peut. Hein. Regarde qui c'est, Thomas. Non, je rigole. Bah, non. Tu peux pas écrire en minuscule, frérot. Là, tu cries encore. Avec maintenant pour Boulaya. Boulaya qui. Oh, la grosse faute de la part de Gourna. Récupération des Verts maintenant avec l'ami Badi Camara pour Kazri qui passe un crochet en premier, qui passe deux crochets. Il se détacle par Kouyaté. Et le coup maintenant pour les BS1. Et non, on s'est récupéré encore une fois par Zedou Youssouf. Avec Mouefek, pardon. C'est Youssouf est sorti pour Riyad Boudbouz. Le centre de Ivan Masson. Et l'enroulé, le pied droit de Masson devant son ton. C'est capté par Okidja tranquillement. Le gardien algérien. Allez, Zedou Youssouf donc est sorti pour Mouefek. Donc côté gauche, il a déjà joué je crois le match dernier il me semble sur le côté là. Il avec contre Angers, il a déjà fait donc. Mais le problème c'est que il aurait peut-être pu prendre un carton Kouyaté parce qu'il a marché sur la cheville de Zedou. Tu vois, je trouve ça bizarre quand même. Ça va bien ouais mon frère. C'est mieux comme ça Los Santos. Et Thomas, même sans être intéressé par le match, on revient ici. Merci mon Mathieu. Bah c'est cool mon frère, c'est bon. Tu fais match de Ligue 2. Non Michel, bah je peux pas mon frère malheureusement. Et Guingamp ils font quoi là? Dites-moi. Avec 111 maintenant, le 1-2 pour Depréville. T'as le magnifique, pour accélération encore une fois de Niagne. Il sort de son Boulaya, le contrôle orienté. Attention à Gourna qui fait une petite sombrero pour éviter le retour de Laine. Oh quel tac David Maïga, magnifique. Quel tac, les Messins sont en train de dominer les amis hein. Ils sont en train de dominer de ouf là pour l'instant. Et 1-0, 12 minutes de jeu. Et le côté gauche pas de temps, la tête de 111. Et c'est récupéré maintenant pour Mouefek. Et ça passe un petit peu avec de la chance pour Mouefek. La récupération maintenant assez élégante de la part de d'Endoram pour 111. 111 côté gauche. Les verts, ça commence à être de plus en plus compliqué. Hein. Allez, Depréville maintenant, encore une fois une action. Et capté par Timothy Kodedak. Allez, c'est bouillant. Enfin, c'est bouillant. Tout se passe bien, en tout cas. Avec le ballon pour Gourna. Avec Madi Camara. Il écarte côté droit sur Camara. Pas de solution. Camara n'a pas de solution, les amis. Allez, ballon maintenant pour Sow. Avec, encore une fois, Camara. Pardon, pour Kodidak. Est-ce que tu vas faire la Ligue 2? Non, je pense pas, les frères. 2-2. 1-0 pour Metz. Ouais, t'imagines. Et c'est fini. À Toulouse. C'est bien ce qu'ils ont fait Guingamp. Mon joueur préféré les dernières. Mon joueur préféré. Oh, c'était Benzema, frérot. Avec le ballon qui est dégagé par Okidja. Avec la tête maintenant de la part de Ibrahima Niagne devant Sow. L'arbitre, monsieur Madame Frappard, ne dit absolument rien. Avec le ballon maintenant pour Mouefek. Joli ballon sur Riyad Boudbouz. Le centre contré. Et le corner pour Saint-Etienne. Les amis, corner pour Saint-Etienne. Pour l'instant, en tout cas, les Verts réagissent. Ils sont menés. Ils sont menés, donc les Verts font ce qu'ils peuvent, les frérots. Les Verts font ce qu'ils peuvent, évidemment. Le but de Metz m'a remis de bonheur. Ah, tu m'étonnes, j'imagine, mon frérot. J'imagine pas les Stéphano Alonsum. Salut Thomas, salut Jean, 34, comment vas-tu? Ça sent mauvais pour les Verts, c'est compliqué. Hein. Compliqué. Je compte sur vous pour liker, les frérots. Hein. Même shot de bas de tableau, ne souris pas, c'est chaud. Ouais, le match chez Amazon Prime. La tête maintenant, dégagée par Kouyaté. La frappe de loin peut-être pour Gourna. Et il passe en pivot. Et le compagnon pour Delaine. Il est très rapide, le joueur en serre du PFC, Thomas Delaine, qui va essayer de se faire sur passer. Oh, l'accélération de Delaine, il n'y a pas de mouvement. Oh, sort d'opération. Oh, le contre-orienté magnifique, il fait une faute derrière. Madame Frappard ne dit absolument rien. La chaîne, c'est Amazon Prime, mon frérot. Comme tous les matchs, sauf le. Oh, le lob. Oh, incroyable de Kazri. Oh le bijou. Le bijou de Kazri. De 80 mètres. Quel lob incroyable. Oh le but de la saison. Le but de la saison de Wabi Kazri. Oh le but de la saison. Il est incroyable. Le chef d'œuvre de Wabi. De 80 mètres. Quel but de Wabi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le lob.
du milieu de terrain. Magnifique. Et un partout. Mais quel but incroyable. Et il y a des buts dans ce match. Il y a des buts. Quel but de Kazri. Son 7e de la saison. Le bijou du Tunisien. Oh là 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 là. Incroyable. J'exagère. Milieu de terrain, donc 50 mètres. 60 mètres. Oh, le bijou. Wabi. Quel but. Oh, je suis choqué par la puissance du joueur, là. Oh. Et le 7e but, donc, pour Wabi Kazri. Et encore une fois, une action pour Oukidja. Et là, tu te demandes vraiment qui est fautif. Est-ce que c'est Oukidja qui est trop avancé? Est-ce que c'est le milieu de terrain qui n'a pas assez pressé Kazri? Les amis, pour l'instant, j'avais dit Kazri buteur. Et j'avais dit but sur coup franc. Est-ce que quand même on peut dire que je suis pas trop mal, les frérots? Dites-moi en commentaire, rassurez-moi. Parce que là quand même, voilà. J'avais quand même dit pas mal de choses. Hein. Quel but! Et 7 buts pour Kazri qui rejoint la board au classement des buteurs. Avec le ballon pour vous de vous. Oh la vache! Mais c'est incroyable ce coup de pétard monstrueux là, de Kazri. Oh, il fallait vraiment le chercher. Hein. Il fallait vraiment le chercher ce but-là. Quel but! Avec le côté gauche maintenant. Oh, il y a une faute de Frappard. Attention quand même. Et carton jaune. Et un coup franc intéressant. La faute de Mouefek. Eh, mes amis. Quand même. Eh, c'est le but. Eh, est-ce que c'est le but de la saison? Oh, franchement, il est incroyable. Et Masson qui prend un carton jaune. Donc, coup franc intéressant à la limite de la surface de réparation pour Depréville. Et j'ai dit, les amis, Depréville sur coup franc. Il a une très bonne patte. Attention, il a marqué quand même 3 coups francs avec Bordeaux à l'époque. Et c'est Boulaya qui va le tirer. Et carton jaune. Le poulpe encore frappé. Non, mais. 17 minutes de jeu, déjà 2 buts. Les frérots, je tiens à dire quand même, c'est quand même fort. C'est quand même fort de café, les frérots. Allez, Boulaya. C'est but de l'année. Ah, clairement. Avec Paqueta aussi, hein. À voir. Mais c'est un but en tout cas fantastique. Hein. Allez, Farid Boulaya, qui peut tirer évidemment directement au but s'il veut. Hein. Il peut tirer directement au but, Boulaya. Il peut le faire directement, le frérot. Et allez, Farid Boulaya pour la postérité. Farid Boulaya pour la postérité, les amis. Peut-être pour revenir au score. Le ballon qui est dégagé. La tête défensive de la part de Nordin. Et la frappe de Depréville, elle est pure, elle est contrée. Et le ballon pour Boudbouz. Et c'est remis derrière. Avec l'Algérien maintenant, qui est parti pleine balle. Le contre pour Wabi. Et je vais vous mettre un petit peu en exergue aussi le classement. Je pense qu'il est, il est arrivé, le classement, pas. Il est arrivé. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Le classement est arrivé, les amis. On va pouvoir le corriger. Et le... Ah, ballon pour Madi Camara. Avec la relais, peut-être pour Nordin. Quel but incroyable. Je me suis pas remis. C'est pour ça que j'aime bien... J'aime bien la Ligue 1, les amis. On me dit, ouais, la Ligue 1, c'est nul. Frérot, t'as des buts de ouf, l'ami. Réveille-toi. T'as des buts de ouf en Ligue 1. Bon, j'adore la Ligue 1. Alors, le classement réactualisé, les amis, ici. Avec donc, ça, c'est pas ça. Il est où le classement? Allez. Et donc, ouais, bah, comme on dit, statu quo en bas de classement. Pour les verts. Donc, ici, le classement, il est là. Donc, ça bouge pas. Et corner pour les verts. Corner pour les verts ici. Allez, j'adore la Ligue 1. Je suis fan. Et Riyad Boudbouz qui va s'élancer. Et donc 6 points. La tête maintenant. Oh, capté par Oukidja. Qui a pas fait de dinguerie. C'est parti maintenant pour l'autre côté avec l'accélération pleine balle. Et le ballon pour Delaine. Il va à droite, il va à gauche, il va partout. Il écarte sur Ibrahimanian. Le ballon maintenant pour Madi Camara. C'était Mouefek pardon qui l'a tiré. C'était même Masson avec saut. Et statu quo. C'est ça qu'on dit. Hein. On dit statu quo. Salut Katix. Mais c'est toujours comme ça quand tu paries. Ah bah ça c'est clair, faute de Frappard. J'ai dit faute de Frappard. Merde. Excuse-moi Romain Barbeau. Elle est si mauvaise que ça. Vous aimez pas Frappard? Salut Nicolas de La Réunion, comment tu vas? Romain Barbeau, excuse-moi, j'ai fait un bug. Vous aimez pas Stéphanie Frappard? C'est qui vos arbitres préférés, les amis? Avec oulala, Madi Camara pour Delaine, y'a pas de faute des arbitres si. Et faute offensive en faire aux Canadiens. Salut Moïse Loison. Les amis, vous aimez pas Vous aimez pas. On va voir notre des joueurs.
Allez, avec Camara à l'écran. Avec Masson. Et le ballon maintenant pour Mouefek qui donne derrière son Masson. Avec le ballon pour Nordin. Avec Masson maintenant. Qui écarte côté droit. C'est bien récupéré maintenant par Madi Camara avec l'ami Riyad Boudbouz. Allez, Boudbouz qui temporise. On va faire une boule. On va faire une petite boule de cristal, une petite boulette de cristal. Avec le ballon pour Masson. Masson maintenant côté gauche, il alerte Ivan Masson encore une fois avec le ballon qui est récupéré maintenant côté gauche. Et c'est parti pleine balle avec la faute d'Underham, l'arbitre ne dit rien, Mazan Frappard. Et récupération pour Gourna avec Madi Camara. Et le petit relais sur Masson. La accélération de Mouefek avec Red Bull Bouze dans l'axe qui écarte son Nordin. Ça passe d'abord par Masson, le centre du gauche. Et capté par Okidja. Oh, qui perd le ballon. Mais Okidja il n'est pas réveillé. Hein. Ça glisse. C'est Karius Savonnette là, Okidja. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible le début de la rencontre. C'est pas terrible. Allez, on y va avec Cédusso. Et je vous montre ici le petit classement. Les notes des joueurs. On a pour l'instant Neyou, donc non noté. 7-5 pour Kazri. 7-2 pour Farid Poulaya. Allez, on y va. Avec Camara. Avec le ballon pour Niang, capté par Kodinak. Donc 6 pour Boudbouz, 7-5 pour Kazri. Boulaya, bah, les deux buteurs. Les deux buteurs que j'ai mis en exergue en plus, les deux buteurs. Allez, avec le petit ballon maintenant pour Timothée Kodinak. Les deux buteurs en exergue, les frérots, les petits frérots. Un partout City. Ah, ils sont venus, ça y est. Ils sont venus au score. Avec le côté gauche maintenant, ça va être écarté sur Mouefek. La grosse faute de Boulaya. L'arbitre n'est derrière. Il est bon, Emon Mouefek, il est quand même pas mal. Hein. Il est quand même pas mal ce joueur, Emon Mouefek. Il est quand même assez intéressant. La grosse faute, hein. Grosse faute de l'ami Mouefek là. Un ballon pour Nordin, pardon, avec Gourna. Il écarte là-bas sur Ivan Masson. Boulaya et Kazri. Ah bah Kazri il est monstrueux frérot. Il est monstrueux le but de Kazri. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ambulante. Hein. Oh la vache. Allez avec. Ah ils sont en train de comparer avec Saber Khalifa. Ils sont en train de parler du but si le but est au-dessus du lot ou pas. Avec ballon pour Camara. Allez avec Timothy. Ah c'est peut-être un record. C'est peut-être un record les amis. Peut-être un record de but. Truc de ouf quand même. Avec ballon pour Bouibou, c'est bien joué, qui écarte sur Gourna, avec Zedou Youssouf, Kodidiak, attends mais c'est Neyou qui est sorti, je suis con moi, Kodidiak, ballon pour Emen Mouefek, à nouveau pour So, sur Timothy Kodidiak, ouais, pressing haut des Messins, et ballon maintenant, qui oh le tacle, rageur de la part de... Le tac sur Delaine, là, la part de Madi Camara, il est violent. Les équipes du classement, ça a l'air d'un match. L'Académie des... Salut Karine. Non mais franchement, c'est carrément bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, la Ligue 1, moi, je kiffe. Je kiffe la Ligue 1. Et donc, ils disent qu'il y a peut-être un record de buts pour Kazri. Apparemment. Oh la vache, il est magnifique le but. Le taré. Le taré Bobby Kazri. Il est magnifique le but. Il est incroyable. Franchement, une dinguerie. Penses-tu la saison des Verts? Bah bof hein. Bof, c'est pas terrible comme la saison des Verts. C'est pas terrible de ouf. Hein. Allez. Avec le ballon maintenant qui est récupéré. Avec la touche pour les Grenats. Avec Delaine. Allez, avec l'ami Kouyaté pour Dylan Brown, autre Tunisien. Avec l'accélération pour Ibrahim Niang, la déviation pour Depréville, ça ne passe pas. Choc pour le maintien. Metz Saint-Etienne. Avec ballon maintenant pour Kouyaté à nouveau, qui carte sur Endoram. Avec Kouyaté,
qui écarte maintenant sur l'ami Yukija, coupable de ce but pris évidemment, avec Santon. Accélération maintenant pour Ibrahim Agnan, devant Koïdésia avec le centre, pour Depréville, le bon contrôle, et la bonne défense, et il réclame un pénalty. Il réclame un pénalty, le Puig de Saint-Symphorien qui gueule de ouf. Il réclame un pénalty, et boule de cristal pour Christophe. Boule de cristal pour Christophe Pedrolo, on y va les amis. Je finis juste quelque chose mon Christophe, j'arrive à suivre en live ici. Et là, c'est en train de péter les plombs. Hein. C'est en train de péter les plombs parce qu'il est au sol. Est-ce que... Attendez, les amis, c'est revisionné ? Il y a une variable ou pas ? Apparemment, c'est revisionné ? Apparemment, c'est revisionné par l'assistance variolesque ? Apparemment, ce serait revisionné ? Oh, attention. Non, c'est bon, il n'y a pas de pénalty. J'arrive, Christophe, hein, t'inquiète. Je partage tout sur les réseaux sociaux. Faites pareil, les miens. Partagez en masse sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour qu'on soit vraiment bouillant pour ce match. Et on est parti pour le pronostic. But de Kazri, c'est un but, en fait, il récupère le ballon. Il est à peu près 10 mètres derrière le milieu de terrain et ça rentre dedans. Mais Oukidja est un peu avancé. Donc, c'est un but à la Saber Khalifa. Et si je me trompe pas, il n'y avait pas un Bordelais qui a fait la même chose aussi. Il me semble. On est parti, les amis. Boule de cristal pour un monde idéal. C'est Christophe qui réclame ça. On y va, les amis. Qui va marquer le troisième but de la rencontre? On y va en commentaire. Qui marque le troisième but de la rencontre? On y va. Cette boule de cristal dans un monde idéal. On y va, les amis. Qui marque le troisième but de la rencontre? Déjà un partout sur cette rencontre. Mine de rien, ça c'est incroyable. Kazri, c'est un renard. Voilà, ouais, mais c'est un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable, mais Kazri. Il est incroyable. Allez, ballon maintenant qui est récupéré pour Thomas Delaine, là, pressé par Madi Camara, la récupération des verts, la frappe ne dit rien, avec le petit dribble, le chaloupé de Goodbus, techniquement c'est propre pour Gourna, le ballon récupéré maintenant encore une fois pour l'accélération de son côté pour Delaine, il donne dans l'axe pour Ibrahim Agnan, avec Nicolas Depréville, là-bas il y a Farid Boulaya, le tacle loupé de Zedou Youssouf, avec Maïga, il y a un joueur à terre, Farid Boulaya qui va s'élancer. Péno pour qui? Il y avait une faute apparemment dans la sortie de réparation, mais l'arbitre n'a rien dit. Il y a Boulaya touché à la cheville. Boulaya touché à la cheville, les amis. Madame Frappard va aller voir les soins. Et carton jaune. Carton jaune. Et ben, carton jaune, les frérots, sur Boulaya de la part de Gourna, je crois. Carton jaune pour... vache, grosse faute, hein. Grosse faute énorme. Et il est touché, lui, au sol. Donc carton jaune pour lui. En espérant que ce soit pas grave. Boulaya s'est relevé. Donc Sceau qui prend en carton jaune le deuxième, les amis, pour les Verts aujourd'hui. Allez, coup franc. Qui jouera pendant la canne. Ah bah, François, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Tu perds Kazri, tu perds Boudbouz. Je suis pas sûr qu'ils soient tous internationaux. Pas Batarsar. Il est international sénégalais. Taki Gay, je pense pas. Ibrahim Agnan est dans. Il est avec les Lions de la Terre en Galles, FMI. Ça détienne ses critiques. Ah bah, il y a un partout, mais ouais, c'est des buts venus d'ailleurs, un petit peu comme. Allez. 29 minutes de jeu. Le ballon maintenant pour. On est en pleine boule de cristal. La touche pour Madi Camara. Et le coup franc n'a rien donné pour l'ami Boulaya. Ouais, tranquille pour l'instant en tout cas. Des lunettes pour Frappard. Ah ouais, vous n'aimez pas Frappard alors. Vous n'êtes pas fan. Vous n'êtes pas des grands fans. On est plus de 500 sur le live. Merci à vous les amis d'être là. Avec le ballon manqué. Côté gauche, est dégagé par Etienne Green. Oh, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Avec encore une fois pour Dylan Brown. Les amis, franchement, il y aura encore des buts sur cette rencontre. Il me semble que Kazri, qui est quasiment le seul buteur des Verts. Ah bah ouais, le classement buteur, il est là, mon frérot. Ah tiens, mon ami Marwan, est-ce que tu peux aller chercher un petit peu les stats et savoir combien de buts ont marqué les Verts? Et là, on peut quand même se poser des questions. Avec ballon maintenant récupéré, encore une fois, pour Habib Maïga, qui donne dans l'axe, avec la montée pour Farid Boulaya, qui va beaucoup mieux. Le ballon pour Ibrahim Agnan qui se retourne. La frappe enchaînée. Et le corner pour les Messins. Le corner pour les Grenats. Les amis, j'ai mis le match de Lyon juste au-dessus. Hein. J'avais 15 minutes de retard. Ah merde, Denis. Hein? Comment ça? Par rapport à quoi, frérot? En tout cas, les amis, on est plus de 500 sur un match Metz-Saint-Etienne. Franchement, il y a plus en plus de monde sur la chaîne et j'en suis fier. Donc, je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est pas forcément une affiche de Ligue 1 au vu du classement, mais vous êtes nombreux et j'ai une communauté en or avec un gros soutien. Donc, merci énormément à vous.
Je voulais vous tenir à vous remercier encore une fois, franchement, et c'est que le début du week-end, et c'est chouette. Hier, on était quasiment 3000, 2800. Le ballon pour Boulaya maintenant, la tête! Ouh, la part de Niagne! Moins de 10 buts. Non, non, Hugo, pas. Hugo, quand même pas. Salut Omar! Non, frérot, t'exagères. Pas moins de 10 buts. Attends, bouge pas. Non, t'exagères. Attends. Le classement. Alors, j'ai pas, malheureusement. Attends, classement. Saint-Etienne a marqué combien de buts? Ah putain! Ils ont 12 buts, Casri en a 7. Maman. Ah ok Denis. Merci Seb 29. Les kings du match, c'est normal que ça commence à monter. Non mais merci les frérots. Franchement, merci à vous. Ah ouais, il y a 12 buts pour Saint-Etienne et 7 buts pour Casri. Avec Etienne Green. Ah ouais, c'est chaud. Merci pour tout soutien aussi, Christophe, Sophie, Olivier, vous êtes des monstres. Hein. Avec le ballon maintenant qui est écarté, avec la tête sur Boulaya. Le petit ballon maintenant qui est redonné sur Madi Camara avec l'appel de Timothy Godedek. Putain, putain, c'est incroyable ça, Marwan. Et Marwan qui est une star. Hein. Merci Sophie. Marwan qui est une star hein, sur TikTok. Il a 10K. Hein. Allez, Luc, ok. Avec le ballon récupéré par Casri, pas de faute d'arbitre sur Endoram. Le dédoublement pour Bouz, côté gauche, la sortie d'apparition. Le centre du gauche. Et la frappe peut-être pour Casri, mais dégagé par Kiki Kouyaté. Heureusement, avec la récupération maintenant pour Jemerson, il fait un bon match hein, au milieu de terrain. Oh, Boulaya qui s'élance, côté gauche. Pas de faute de Benny Camara. Et l'arbitre aurait pu mettre un carton jaune sur Camara. Ah, il n'y a pas de faute sur Boulaya. La CAN, c'est 5 janvier, je crois, il me semble. Putain, tripé de Casri pour Alex avec le ballon pour Saint-Etienne maintenant. Avec Evan Moifek, avec Red Budbouz. La frappe de la fin de corps pour l'enrouler. Pour Moifek, ça joue bien au ballon. Ça fait très bien le ballon. Et Casri qui dévie. Le centre de Red Budbouz. Madame Frappard. En fait, franchement, je vais vous parler un truc à la mi-temps par rapport à Frappard. Et c'est très très beau de voir ça. Il y a plus du jaune, plus risque d'avoir du rouge. Ah ça Sophie tu m'étonnes. Elle fait plus de pronostics MBA. Elle s'est un peu calmée. Elle gagnait trop d'argent Sophie tu vois. Sophie était à moitié millionnaire tu vois, donc c'est compliqué. Hein. Sophie a beaucoup d'impôts à payer. Sophie est à Malte. Sophie la France. Tellement elle gagnait des sous. Elle est à Malte. J'exagère. Allez. Ballon en dégagé avec le tac magnifique de Timothy Konedak devant Ibrahim Niem, heureusement. Et c'est récupéré maintenant par Emen Mouefek. Ouais, le classement ici. La récupération de Boudbouz. Quel contrôle de Boudbouz! Quel contrôle de Boudbouz, incroyable, mes amis! Un ballon. Oh, quel contrôle de Nordin aussi, incroyable! Avec le serration Kouyaté. Nordin qui fait une feinte de corps. Et ça écarte côté gauche maintenant. Et c'est dégagé par la défense des Grenats. Les Grenats un petit peu dominés. Et on t'en était que pas devant. On t'en était que gueule. C'est pas possible. Avec le petit ballon de Moefek qui tentait un petit pont. Et le 6 mètres. C'est retouché. Ah, c'est retouché. Et mine de rien, les amis, pour les Verts, c'est un bon résultat. Hein. Pour les Verts, c'est un très bon résultat, hein, franchement, pour l'instant. Donc, voilà. Et donc, Casri, il est gauche. Non, Dak. La compo, elle est chelou. Hein. Casri, des fois est à droite, des fois est à gauche. Franchement, elle est hybride. C'est un quelqu'un de losange annoncé par Prime Vidéo, mais à voir. Ça a l'air d'aller mieux pour les Verts. Ouais. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Allez. Et c'est pas possible, Tocard. Marche sur la tête, Tocard. C'est pas possible, Tocard. Avec Depréville qui se fait récupérer le ballon par Gourna. Le ballon redégagé maintenant par Green sur Timothy Kolo-Tiezak, les amis. Et ça a remis sur saut. Un petit peu avancé le défenseur central qui remplace Boukoudi. Avec Riyad Boudbouz maintenant sur Mali Camara. Devant Nicolas Depréville et Farid Boulaya. La déviation de Casri. Mais c'est bien pressé par Delaine. La touche pour les Verts. Rajoute rapidement par Mali Camara. Les amis. Denis roule pour rien. Salut Serge. Reste dernier. Ouais, je suis d'accord Hugo. Non mais Sophie, tu vois, t'as Bill Gates, t'as Elon Musk et t'as Sophie la France. Avec le ballon maintenant pour Nordin. Nordin avec Menmoefek, le 1-2 pour Goodbooz. Ça marche bien tous les deux. Et ça, il y avait presque le 3. Le compte maintenant pour 111. C'est bien joué pour Depréville en pivot. Avec l'accélération pour Ibrahim Niane, ça va être chaud maintenant devant Zedou Youssouf. Enfin, je me suis planté, donc c'est pas Neyou, c'est Neyou qui est sorti. Hein. Et il y a une grosse faute là sur Nordin.
Il y a une grosse faute sur Dandin et Madeleine Frappard va donner le coup franc au vert, au blanc. Il n'aime pas le climat, c'est Saint-Épère autour du stade au prochain match. Exactement les frérots. Sachant que les Messins ont intérêt de prendre des points, les Messins vont au Vélodrome. Marseille qui est quand même en forme. Marseille à Metz et Clermont dernièrement. Donc mine de rien les amis, c'est quand même pas mal. Hein. Marseille a. Voilà, Marseille a quand même du. Marseille a quand même 6 points prenables. Ouh, le joueur est à terre. Hein. Il y a un joueur à terre, je crois que c'est Habib Baïga qui est à terre. Je sais pas si c'est pas grave pour lui. Et Claude Puel. Claude Puel a pas l'air non plus très. Oh ben. Claude Puel a pas l'air trop de flipper sur le côté. Tu vois, il a l'air plutôt cohérent. On a vu le. En fait, je me demande si c'est. Je me demande si c'est pas une petite faute de main de Green. Parce que le but, il peut quand même l'avoir, tu vois. Le but, il peut quand même l'avoir, moi, je trouve. Je trouve, personnellement. Et donc Saint-Té, ça change pas hein, malgré. Et tu vois, ainsi Metz met Brest 19e. Demain, ils reçoivent Monaco quand même. Les amis, on va à 300 likes. Hein. Je compte sur vous, les frérots. 541 abonnés, viewers, et même pas 300 likes. Les frérots, là, je pense que tout le monde a pas mis son like, les frérots. Je compte sur vous, les amis. Je compte sur vous, c'est important. Hier, on a fait 1600 likes. Hein. Je compte sur vous les verts et les médecins. Likez la vidéo, c'est sous le petit player avec ma ganache, le petit pouce en l'air. N'hésitez pas, mettez un petit pouce les amis. C'est important pour le référencement, pour le soutien et pour la force. C'est gratuit en plus. Faites un effort les amis, faites un petit like de soutien. Oh, Cazerie est passé. Cazerie maintenant pour Nanda, pour le 2-1. Oh, l'arrêt de Doukidja en réflexe, ambiance hockeyeur. Oh, Cazerie, il a fait un contrôle orienté magnifique. Et le centre pour Nanda maintenant devant l'ami 111. Et le corner pour les Verts. Oh, quel contrôle orienté magnifique. Et il s'est loupé. Il a fait un petit geste technique devant Kouyaté, incroyable. Et après, il se l'emmène. Et l'arrêt vraiment sur le reculoir, un petit peu en contre-pied de Doukidja. Oh là là, le contrôle orienté de Cazerie. Cazerie en forme. Les amis, je compte sur vous, hein. Le petit like, c'est gratuit, les frérots. N'ayez pas peur, c'est gratuit. On peut atteindre 300 likes largement, vous êtes plus de 520, les amis. Vous êtes plus de 520, on peut largement atteindre les 500 likes. Green, la main verte. Salut, mon Faisal. Cazerie bouillant. Ah, tu m'étonnes. Hein ? Qui c'est qui sort ? Ah, si vous likez pas, les frérots, donc ça veut dire que vous aimez pas le live. Pourtant, vous êtes là. Donc, les 500 personnes, les amis, je vous demande de liker sous la vidéo, c'est gratuit. Hein. Ah merde! Changement pour Maïga. Il y a plein de. Aïe aïe aïe. Il y a plein de blessures. Et c'est Pajot qui va rentrer à la place de Maïga. L'ancien Rennais, l'ancien vert justement. Un match pour lui. Et Red Bull, Kander sortant côté gauche, la tête. Ouais, Kidja il est pas bien. Kidja là, il est vraiment pas en train d'être très bon en défense. Et le coup maintenant pour Delaine, la rapidité de Delaine qui va essayer de passer magnifiquement sur Farid Boulaya. L'Algérien côté droit en face de Ivan Masson. Il va essayer d'avoir un corner. Ah, c'est bien défendu. Il va essayer de défendre son beefsteak. Et la touche pour les Messins. Et il y aura un changement donc avec la rentrée de Pajot. Merci Lou, c'est fait. Ouais, n'hésitez pas, c'est gratuit. Hein. Aouchiche, je sais jamais Alex. En fait, il met beaucoup de joueurs offensifs. Pas offensifs. Défensif, tu vois, Zedou, Gourna, Neyou, tu vois, beaucoup de joueurs un petit peu plus physiques, tu vois. J'ai acquis depuis hier soir. Oh, vous êtes incroyables, 300 likes, vous êtes incroyables. Allez, Oukidja. Oukidja, je le trouve pas bon. Oukidja, je le trouve pas bon, les frérots, franchement. Je le trouve pas au niveau. Après, bon, écoutez. Donc c'est Pajot qui rentre à la place de Maïga. Donc il y a deux blessures, une musculaire et une sur un coup. Une pour l'ami Neyou, une pour Habib Maïga au milieu de terrain. Mine de rien, une pièce importante d'Antonetti. Donc là, c'est chaud. Du frérot, je vous en recouvre. Exactement, mon frérot. Quid de Ramirez. Alors là, mon frérot, j'en sais rien. Changement, les amis. Donc, Pajot. But de 60 mètres. Les amis, but de 60 mètres, donc apparemment... Il est annoncé comme le but de l'année. Eh, but de 60 mètres par Cazerie. Il a annoncé but de l'année. Incroyable. Incredible. Wabai Kazraï. De son nom américain. Allez, touche pour Metz. Il reste 5 minutes de jeu, les amis. Pour l'instant, en tout cas, c'est un bon petit match de foot entre deux équipes mal classées. Mais c'est chaud, quand même. C'est chaud. C'est annoncé comme le but de l'année. Hein. But de l'année.
Salut mon Alban. L'année prochaine, jouera. Oh, agoniste quand même. Merci mon frérot. Gros match la saison prochaine, Saint-Etienne contre Rodez. Oh, t'es dur. Non mais ils jouent qui les verts la semaine prochaine les frérots? Tu peux me dire, Denis? Avec Ah, il y a encore une faute. Il y a encore un joueur. Et Boulaya, il touche beaucoup de fautes. Hein. Il touche beaucoup de... de jambes et tout, il est toujours par terre, le pauvre. Bah, en même temps, c'est le joueur technique. Donc, visiblement, bah, joueur technique, tu le descends. Hein, comme Kazri, c'est des joueurs qui provoquent énormément de fautes. C'est logique. Hein. Après, c'est comme ça. Que voulez-vous? Ah, il n'y a pas de faute. Il s'est relevé tranquillement. 60 mètres qui dit mieux. Ouais, tu m'étonnes. 60 mètres, c'est bien. Bien. La Ligue 1. La Ligue 1 est bien, est intéressante. 7 buts pour Kazri, quand même. Hein. Je tiens à dire. Hein. C'est-à-dire que ce but pour Kazri, c'est quand même énorme. La moitié des buts pour Wami Kazri, c'est quand même assez incroyable. Ah, c'est vrai que Kazri, il faut pas qu'il soit suspendu. Hein. Si. Comment ça, si la CAN a lieu? Ah oui, j'ai vu ça, c'est vrai ça? Les amis, la CAN... la CAN, il y a des doutes de sa tenue? Les amis, il y a un doute sur la CAN ou pas? Merci pour que tu likes les frérots. Il y a un doute sur la CAN, sur la tenue de la CAN? Vous avez le but de Thomas, j'ai pas l'image. Le but de Kazri? Bah, c'est une récupération des verts. Il remonte le ballon au milieu de terrain, il n'est pas avancé. Il n'est pas pressé, pardon. Il voit Okidja avancer, puis il tente un lob magnifique. Dites-moi en commentaire, les amis, c'est... Donc, bon, l'article One Football. Hein. But de Kazri, hein. But en Ligue 1. Si vous voulez avoir plein d'informations, les amis... L'application One Football, elle est gratuite. Là, c'est un article de Lucas Hayboard que je salue, évidemment. Ah, c'est Saint-Etienne Clermont. C'est pas un derby, ça? Pas du tout, mais rien à voir. Le but de l'année inscrit en Ligue 1. Putain, vache. Je pense qu'on en est pas loin. Les amis, dites-moi en commentaire. C'est pas un derby, Clermont-Saint-Etienne, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir, je pense. Ça n'a rien à voir. Allez, avec le ballon côté gauche maintenant sur l'ami. Oh, la grosse faute sur 111. Et un nouveau coup franc. À nouveau coup franc, les amis. À nouveau coup franc. Attention. Attention, à nouveau coup franc, les frérots. C'est un petit derby. Ah, c'est un petit derby. Hein. Eh, ça va être chaud. Boulaya. Boulaya, les amis. Attention. Attention, alerte rouge. Boulaya en face de... attention. Attention, alerte rouge. Alerte rouge, les amis, attention. Là, il y a un bon coup franc. Franchement, s'il déconne pas, il peut faire un truc de ouf. Hein. J'annonce, s'il déconne pas, il peut faire un truc de ouf. Farid Boulaya pour la postérité encore. Farid Boulaya, c'est en deux temps. Au-dessus de la cage... Il s'est un petit peu trop cru, l'ami Boulaya, au-dessus de la cage. Allez. Oui, hey, il a eu raison d'essayer. Il a eu raison d'essayer. Moi, je dis dans la vie, les amis, il faut essayer. En tout cas, c'est un bon match de foot. Hein. Moi, je kiffe. Allez, on met le classement tranquillement. Alerte Grenat. Merci, moi, Alban. Salut. Même région, ouais, voilà, c'est un derby vite fait, rien à voir. Ah bah si, même région, Eric. C'est un petit derby, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Marwan? Alerte quoi, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur. C'est un derby régional. Avec 30 secondes de jeu. Kazri. Allez, classement ici avec... Donc ça change rien au classement. C'est coup de surpompe de l'année pour Groningue. Ah, j'ai pas vu. Salut Lolol. Le match a commencé tôt. Voilà, 5h. Avec le ballon défendu par Boulaya devant Nordin. Avec Okidja. Il va y avoir un petit peu d'arrêt de jeu, je pense, une minute. Salut Gabin, ça va très bien. Franchement, les amis, on vit un bon petit match de foot. C'est pas exceptionnel, mais ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. 3 minutes d'arrêt de jeu. 3 minutes d'arrêt de jeu. 3 minutes d'arrêt de jeu, incroyable. Allez.
avec le ballon récupéré maintenant pour Riyad Boud. Vous êtes à l'onade magnifique de la part de l'Algérien avec le long ballon pour Kazri. Et quel but de Kazri, c'est un bijou. 3 minutes d'arrêt de jeu de Netflix en plus avec l'appel maintenant pour Madi Camara latéral devant Kouyaté. L'arbitre ne dit aucune faute, donc ça continue quand même à jouer. Merci le Farmer. Oh la vache, le sub du Farmer. Le sub du Farmer. Précipite à ce soir, allez Lançois, allez les Verts. Merci le Farmer pour le sub, mon frère. Merci pour le message, mon ami. Depuis 2 mois, amateur. À Chavi. À plus tard, mon Fabio. Repose-toi bien, mon ami. Repose-toi bien, mon Fabio. Allez, ballon pour De Préville. Le grand pont de Préville, le petit pont, pardon. Et la faute. Il y a carton jaune pour. Il y a carton jaune pour Mouefek, là. Il y a pas de carton, il tire le maillot. Salut, Alexis. Pas de carton. Salut, Lol. Salut, Alexis. Pas de carton là-dessus, là. Emmanuel, comment tu vas? Ça va bien, ça va très très bien. Allez, avec le petit ballon maintenant pour l'ami Boulaya. Allez, Boulaya, côté gauche, là, avec Kouyaté. Il reste une 30 de jeu dans le temps réglementaire. Avec le petit relais sur Delaine qui passait. Pivot avec Ibrahim Agnan devant Madi Camara, le centre au cordeau, la frappe de Dom et la reprise peut-être de la part de Santos. Ah, le mauvais contrôle. Le mauvais contrôle à l'instant là. Récupéré maintenant par Dylan Brown. Il reste une 15 de jeu. Les Messins qui progressent avec Boulaya qui pousse trop son ballon malheureusement. Farid Boulaya avec le compte maintenant pour Kazri. Récupéré par Kouyaté. Allez Rennes, demain pour la victoire. Merci pour Laurent Morel pour le don de 2 euros. Merci mon Lolo. Déviation de Boulaya maintenant. Merci pour Laurent Morel pour le don de 2 euros. Merci mon frérot pour le soutien. Mon Laurent Morel, le centre. Et dégagé maintenant avec la récupération de Préville. Le petit pont, on réclame une main de la part de Gourna. Merci mon Laurent Morel pour le don de 2 euros. Des grands GG à Laurent Morel pour le don. Merci mon frère. Ah, j'ai rien fait Lolo. Non, j'ai rien fait là. J'ai rien fait. Merci mon Lolo. Des grands GG. Café confirmé le Cameroun. En plus, je les ai aidés communiqués hier. Bah, donc, elle est confirmée, Faisal. Alors. Allez. La CAN n'est pas annulée. Attends, je regarde. CAN 2022. Vers l'aéroport de la CAN. Mais non, elle n'est pas annulée. J'espère en plus, parce que c'est chiant. Et c'est terminé. Mi-temps et demi, un partout. Quel match intéressant, franchement. Salut Christophe Grilich, comment tu vas? Un partout à la mi-temps. On va avoir net des joueurs, on va avoir plein de choses, en tout cas, pour se jauger. Le Bayern s'est encore baladé. Ah bah, Lionel, ils se sont un petit peu repris hein, de la tôle pris par Gladbach, hein, mine de rien. Donc, quelle intensité dans le match, hein. Les amis, quelle intensité de ouf dans le match. Franchement, c'était c'est agréable de voir ça, en tout cas. Thomas, dis-moi que Metz a gagné. Ah bah, Christophe, je sais pas. Canal 8, non, Thomas, j'avais vu, je crois, un petit reportage, mais il n'en est rien, vous inquiétez pas. C'est parti, les amis, on est parti pour la mi-temps, tranquillement. On va se... on va respirer. Hein. On va parler du programme de demain, peut-être. Pourquoi pas, plein de trucs. À la mi-temps, on y va. C'est parti, les amis. Changement de d'overlay, qu'on appelle dans le jargon. Un partout, Metz-Saint-Etienne. Bon, bah c'était un match. Franchement, on croirait pas que c'est. Honnêtement, hein, on croirait pas que c'est le deuxième. Ça, c'est le 19e contre le 20e. Honnêtement, je tiens à dire qu'on on ne pense pas que c'est ça. Et mine de rien, je trouve ça assez intéressant de voir que bah c'est quand même pas mal. C'est pas trop mal. Pourquoi il n'y a plus les logos là? Logo mi-temps. Bizarre ça. Ah, le but est magnifique. Hein. Ils interrogent Louis Kazri. Le but il est incredible. Incredible le but, franchement. Alors, notre deux joueurs. Honnêtement, on c'est pas du tout un match de relégable qu'on voit. Mais c'est vrai. C'est pas du tout un match de relégable qu'on voit. Le logo était parti faire un tour, les fois. Logo mi-temps. Alors, on y va. Je lis juste vos petits messages. Logo. Voilà ici. Alors, on va avoir une note des joueurs tranquillement. Il est où le chat? Il est là.
City perd 2... Hein ? Comment ça, City perd 2-0 ? 2-0 pour City ? Mais what ? Mais incroyable. Chelsea gagne 3-0. Attends, mais le classement, c'est quoi alors, les frérots ? C'est quoi le classement, du coup ? Et Mahrez est rentré ou pas ? Ah non. Incroyable. Comment c'est possible de voir ça, les amis ? Mahrez est même pas rentré et il y a 2-0. Mais Mahrez, il jouera à la Champions League, en fait. En fait, Gordola, je pense que c'est ça. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que, de voir que... quand t'es joueur, quand ton équipe n'est pas compétitrice, et quand tu ne joues pas, et quand bah, tu te dis, voilà, bah, je pense qu'il serait meilleur sans moi. Il serait meilleur avec moi, tu vois, celui-là. À voir. T'es pas d'accord ? Est-ce que vous êtes pas d'accord, l'ami ? Tu fais Lyon ce soir. Mon triade ! Normalement, vous avez un commentaire épinglé juste au-dessus. Mon prono, j'avais dit 3-2, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont pas à leur place. Aïe. Si Chelsea gagne 3-0, Vinicius a pécho, c'est pas possible. Comme dirait Stan, espérons que le mercato d'hiver sera exceptionnel pour les Verts pour pouvoir sonner la zone rouge. 19, ouais, c'est 19 contre le 20e. On va avoir du coup, les amis, les petits classements ici. On y va pour les classements. Classements. Note de joueur, on y va. Alors, le meilleur joueur, évidemment, c'est Kazri, hein, 7,5. Neyou, donc pas noté parce qu'il était remplacé par Emmanuel Mofak. Très très bon d'ailleurs avec Boudbouz en termes de 1-2. Boudbouz, 6,2. Putain, c'est pauvre. 6,2. C'est pauvre de ouf. Nordin, 6-3 pour Gourna. 6-3, 6-5 pour Masson, c'est pas les grosses notes. Colidia qui est pas mal dans l'axe, je trouve. Mais ouais, putain, les notes sont faibles de Saint-Etienne. À part Kazri et Colidia, il n'y a pas de 6,5, 6 pour Masson. Et pour les Messins, on a un 6,9 pour Diagne. En pivot, c'est quand même pas mal pour Sénégalais. On a un 7-7 pour Boulaya, qui est très très bon, qui a touché beaucoup de ballons et qui a marqué le coup franc, du coup. Mais je pense que Green est pour quelque chose. 6-9 pour 111. Les latéraux sont bons, hein. 111 et Delaine sont les pistons, on va dire, sont quand même intéressants. Kouyaté, ça passe aussi. Jimerson, discret mais assez cohérent. Et Oukidja, 6,7 malgré le but pris. Ah si, il a fait un arrêt de ouf sur la frappe de Kadri. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il a fait un arrêt de ouf. Pas d'ennui. Non, pour le but, il a annoncé à 68 mètres. 68 mètres. Et donc je crois, s'il ne me trompe pas, que... j'ai pas ça sur les... j'ai pas moins de football ici. Si. 68 mètres, je crois que c'est le... Ouais, c'est but de l'année. But de l'année. But de l'année, les amis. Truc de ouf. Incredible, quand même. Ils sont en train de perdre 2-0, quand même. C'est quand même assez étrange comme résultat. Vous trouvez pas ? But de l'année. Les amis, ceux qui n'ont pas OneFootball, profitez-en. Salut Younous. Salut Younous. L'application OneFootball, elle est gratuite. Elle est gratuite sur iOS et Android. Vous avez des articles comme ça, par exemple, sur OneFootball, le but de l'année inscrit en Ligue 1 par Kazri. 68 mètres. But de la saison, voire même but européen du week-end. Franchement, Twitter va exploser pour le Tunisien. Donc, voilà. Voilà, voilà. Si vous voulez me soutenir gratuitement, bah c'est Kazri, frérot. Salut mon Younous, Chelsea s'envole. Ah bah... Ouais. Tourelle... imagine Tourelle va chercher le titre. Imagine Tourelle, en 2 ans, il va chercher la Champions League et le titre en PL. Ce serait une dinguerie. Hein. Point d'exclamation foot, les amis. Point d'exclamation foot, F-O-O-T. C'est ici, c'est gratuit. Et l'application, elle a tout pour être heureux. Toutes les notifications de ton club préféré. Avec les stats, avec les articles comme ça par exemple, avec les classements, les compos, tout. Et aussi de ton club préféré, donc tu choisis ton club, ou tes clubs, ou tes nations, comme ça c'est un petit peu ciblé sur ton téléphone. Et t'as du foot gratuit en direct, avec foot belge, écossais, autrichien, coréen, et maintenant des championnats qui viennent se rajouter comme championnat suisse, norvégien, danois, en stream gratuit. Il y a eu la Champions League, les barrages, il y a eu des matchs d'Europa League aussi, des matchs de Conference League. Donc mine de rien, c'est intéressant. Les amis, et c'est gratuit, et en plus, moi, ça me soutient gratuitement. C'est mon partenaire depuis 3 ans, on répète à chaque live, évidemment, mais vous savez très bien comment ça se passe, la promo et la pub. Hein. Donc pour l'exclamation foot, F-O-T, les frérots. Ah, tu kiffes, Zeus. Et tous ceux qui ont l'application, ils kiffent. Donc n'hésitez pas à prendre l'application, et dites-moi en commentaire, Thomas s'est téléchargé, c'est important. Donc Kazri, but clairement de la saison, enfin la saison,
En tout cas, dans le stade détaillé, on n'a pas ici. On n'a pas les stades détaillés. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Les compos, j'enlève et je remets le classement ici. Alors, évidemment, ce soir, il y aura un gros match intensif entre Lyon et Lens. Ce soir, ça va être chaud. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront contents d'être là, les amis. Je viens de re-télécharger. Oh, merci Lolol. Bon, Bayo est en garde à vue. Mais non, Jackson, il est sorti, mon frère, non? Bayo s'en va demain? Il est sorti, non? Il est encore en garde à vue? Où est sorti? Attends, je regarde. Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est pas en garde à vue, mais non. Il n'est pas en garde à vue. Non, il est sorti, hein, je pense. Bah, j'espère, en tout cas, pour lui, parce que sinon, c'est compliqué. Il va pas rester en prison toute sa vie, non plus. Il est garde à vue, c'est 48 heures, hein, à part si t'as fait quelque chose de très très grave. Ou 72, mais là, non, ça fait une semaine. Il était en garde à vue. GAV, c'est que garde à vue, quoi, pour en faisant ouais, des grisements. Il est encore en garde à vue? Attends, mais il était en garde à vue l'année dernière, la semaine dernière. Comment c'est possible? Non, il a fait 24 heures de GAV. Non, non, non. Il était en garde à vue. Ah! Lance m'a l'air d'une équipe solide. L'application est bien. Bah, franchement, demande à Lolol, demande à tout le monde, demande à Zeus. L'application, elle est énorme. C'est la meilleure du monde, hein. C'est pas n'importe quelle application, hein. C'est la meilleure del mundo. Donc, oui. Un pronostic pour moi, jeu ce soir. 48 heures, non, ouais, 48 heures, c'est grave. Non, il a fait 24, les frérots. Il a fait une grosse erreur. Bah, il était. Je crois qu'il était. Il a fait quoi? Il était bourré. Ah, il a fait un délit de fuite, je crois, il me semble. Il a fait quoi? Ouais, délit de fuite. Ébriété. Brûler les feux rouges. Et il a fauché quelqu'un, je crois, il me semble. Blessure involontaire. Putain, vache. Il avait déjà eu les faits semblables en 2019 dans l'Oise. Il avait été pris. Ah, d'accord, c'est une récidive. Ah, ouais. Ah, chaud. Pète sa mère, un football. Ah, bah, carrément. Donc, Yanis, Younous, hésite pas, mon frère. Bayo, ouais, putain. Les amis, gros programme demain. Hein. Gros programme demain. Avec. Ah, attendez. Gros programme demain. Refus d'autorité et non délit de fuite. Ah, c'est marqué délit de fuite sur RMC. Bon, ils sont. Mais. Pff, ouais, c'est dingue quand même. C'est quand même dingue à chaque fois que les mecs. Max sont chauds. Aujourd'hui, il y a Fubeur qui est. Non, je sais pas, Younous. Il est tout le temps. Il... Ah ouais, c'est vrai. Non, votre cas, c'est des conneries, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Les mecs ont du talent, ils se débrouillent pour. Ouais, ouais. Qui ça, Younous? Demain, l'OM, allez, l'OM, j'essaie de venir te faire des petites coucou. N'importe quoi. Ouais, je sais, Mohamed. Bon. Et on trouve Manchester United. Ouais, 2-0, on a perdu. Hein. Truc de ouf. 2-0, c'est chaud. 2-0, c'est chaud. Bon, et les amis, est-ce que. Oh là. Est-ce que, les amis, est-ce que les Verts vont y arriver? Est-ce que les Verts vont y arriver, les amis?
montre le classement buteur. Ouais. Le classement des buteurs, ici. Pam. Kazri, 6 buts. Bordeaux-Reims. Bah, je fais le multiplex, hein. Je fais le multiplex. Est-ce que les Verts vont gagner? Est-ce que les Messins vont gagner? Oui, oui, oui. Ah, le but de Kazri, incroyable. Demain, ça va être chaud, tu m'étonnes. Salut Nathan. Ils disent n'importe quoi, ouais, tu m'étonnes. Metz a gagné. Les Verts ont gagné les Verts. Qui va gagner le match? Bah moi je pense qu'il y aura 2-2. Il y aura peut-être un 3-2. Je pense. Salut Michel. Oh, le but de Kazri, hein. Eh les amis, votre pronostic c'est quoi? C'est quoi le prono? 3-2 pour qui? Ah, j'ai dit 3-2 pour Metz, mais bon, c'est comme ça. J'ai dit 3-2 pour Metz. Parce que, en fait, Saint-Etienne est une équipe qui prend 3 buts en moyenne à l'extérieur. Et Metz est une équipe qui prend 2 buts à l'extérieur en moyenne depuis le début de saison. 2-1 pour Metz, 2-1 pour Saint-Etienne. Michel, calme-toi, frérot. Ah, il est content, Puel, hein. Michel, calme-toi, Michel. À part ça, Synthé joue. Bah, dans le jeu, Synthé, c'est bien. T'as des joueurs, t'as Boutbouze, t'as pas mal de monde, hein, Boutbouze, Mouefek, t'as Kazri, t'as comme des joueurs. C'est 15h demain. Rennes joue à quelle heure demain? À 15h, contre 3. Allez, les amis, seconde période, on y va. C'est reparti pour la seconde période, les amis. Allez, 45 minutes de feu, de bonheur, on ne sait pas encore une fois ce qui se passe. On rentre dans le match, Puel arrive. On est parti, les amis, c'est parti pour le feu. Sur ce match, j'espère en tout cas qu'on va kiffer 45 minutes. Allez, c'est parti les amis, on y va. Le prono de la seconde période. On y va les frérots. Allez, il y a Gabriel Silva qui sort pour Masson au déchangement. On y va les frérots. Pronostic. Et c'est parti pour le coup d'envoi de Saint-Etienne contre les Messins. En espérant qu'on voit du spectacle encore une fois ensemble. Allez, 45. Donc Silva qui est rentré à la place de Masson. Peut-être un changement tactique ou technique, comme on dit. Allez. Avec la première ballon pour 111. Et Niagne toujours à l'écran. Et Puel qui est concentré, bah évidemment en même temps on le sait, comment dire, attaché à ses valeurs, lui il ne changera jamais. Allez, moi je pense qu'il y aura des buts encore. Le ballon qui est côté gauche maintenant avec le petit relais de Dylan Brown. Allez, Dylan Brown avec le relais maintenant de la part de Kidja, avec la tête dégagée de... Oh putain, c'était chaud pour Sceaux, avec la récupération de Farid Boulaya, poursuivi par Boutbouze avec Emmène Mouefek, le relais sur Thomas Delaine maintenant, le petit crochet pour éviter Mouefek qui écarte côté gauche, dans l'axe pour Pajot peut-être, avec Ibrahim Agnane, Pajot qui lance là-bas pour 111, c'est bien joué mais récupéré par Timothy Kodediak, et le ballon maintenant pour Gourna, avec contré par Pajot. Ça va être un beau match, ça va être une belle seconde période, je pense. Marseille sont chauds cette année. Ah bah oui. Salut Saoudi. 2-1 pour Saint-Etienne, allez vers. Salut Stéry Lozon. 2-1. Ouais, demain, bien, je vais essayer d'être là. Pas...
tôt comme aujourd'hui. T'inquiète pas, mon frérot. Speak Spanish. Ça va être tendu, ça. Avec... Oh, la sortie d'Oukidja encore une fois devant Kazri. Attention quand même. Sortie d'Oukidja devant Kazri, c'était chaud. Allez, avec le côté gauche maintenant. Ça va écarter peut-être sur Endoram. Endoram qui met à gauche. Endoram avec le ballon pour 111 avec le petit relais sur Endoram devant Événement FX. C'est bien joué. Avec Pajot maintenant pour Farid Boulaya. Il lance l'accélération sur le côté droit pour Depréville. Il arrive à couper le ballon pour Ibrahim Niang. Le contrôle magnifique dégagé par Mani Camara à l'arrache. Ouh, c'est chaud. Ah si, Gabriel Kazri dépendance. Ah bah Kazri dépendance, inévitablement mon frérot. Inévitablement, quand tu vois le rendement du Tunisien, l'accélération maintenant pour Madi Camara. Allez, Camara qui va essayer d'écarter sur le côté gauche. Madi Camara. Ah d'accord, je vais regarder mon Younous. Avec Riyad Boudbouz. Boudbouz qui remet derrière sur Etienne Green. Avec le petit ballon sur saut. Liverpool accroché aussi, ils n'ont pas gagné Liverpool. Ah c'est chaud ça. C'est chaud ça. Avec Gourna. Gourna pour Zedou Youssouf. Le relais. Maintenant sur Timothy Koedidiak. Avec le petit ballon à nouveau pour Gourna. Qui écarte maintenant sur Youssouf. Avec saut sur Timothy Koedidiak. Côté droit. Et j'ai changé le. C'est Silva qui est rentré, les amis. Avec Kazri en pivot maintenant pour. Ah c'était pas mal. C'était pas mal joué. Et y a pas Ramirez qui est rentré, les frérots là. Neyou, ah c'est Masson Gabriel qui est rentré. Pourquoi une blessure peut-être avec Kazri dans l'axe. Kazri qui fait une transversale maintenant pour Madi Camara. Camara avec le ballon et l'accélération pour Emen Mouefek. Côté droit devant Boulaya, c'est contré, la touche pour le poteau de corner. Et donc Gabriel Silva qui est rentré ici pour un changement les amis. C'est quelle chaîne pour l'inscription tu fais Manchester United? Bah mon frérot, ça commence à quelle heure United? Parce que là, je suis sur un match qui finit en gros à 19h. Donc quand je programme des lives, en général même quand on programme des lives, on peut pas faire les autres lives, tu vois. Et priorité les gars. Ah ouais Jérémy, bah c'est cool ça. Ah, c'est le genou qui est touché. C'est le genou qui est touché. Ah, j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave. Avec le ballon pour Boudbouz, il y a un coup franc intéressant pour les Verts. Pour aller essayer. Bon match demain. Ce soir, Lyon lance, les amis, ce soir ça va être ouf. Allez, on va à 400 likes rapidement. C'est vrai, Tayeb, ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être fou cette histoire. Avec Riyad Boudbouz maintenant, la tête défensive de la part de Kouyaté pour Depréville, la frappe, elle est loin. Elle est loin la frappe. Allez, on veut même mettre vite fait une note des joueurs vite fait. Botman revient quand? Normalement après la trêve. Il sera là après la trêve, théoriquement. Il y a un joueur à terre. C'est Douceau qui est à terre, les amis. Je pense que c'est pas grave. Hein. Un gros duel. Et Michael Nadé a envoyé l'échauffement. Et Adil Aouchiche aussi. Et il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements à la fin. Tu es pour qui? Moi, je suis rennais, donc je suis tranquille, frérot. Tomates, tu manges des tomates. Ça pousse à toi, comment tu vas? Merci pour le match, vivant le match ce soir, tu m'étonnes. Mais tout le monde attend. Les amis, je compte sur vous pour le long lance. Hein. Ça va être chaud. Hein. Avec Boudbouz qui perd le duel. Riyad Boudbouz maintenant. Et on va à 400 likes, hein, les amis. On doit atteindre 500 likes sur un match comme ça, les frérots, largement. T'as vu, Favinte va aller à l'OM car ils ont acheté à Rennes. Oh, n'importe quoi. Jamais! Pas évident de négocier des passions de Rennes à 3. Ouais, Jérémy, je suis d'accord avec toi. Mais bon, Rennes est en pleine forme là. Et Martin n'est pas là par contre. Ballon pour Sow, et ça va mieux. Pour lui, Nadé est parti dans l'échauffement, ça va mieux pour Sow avec Koedidiak. 20h30 non, 21h. L'avant-match à 20h.
avec Gasly en pivot, dégagé par Dylan Brown, c'est bien joué. Avec le petit relais, la récupération magnifique de la part de Zedou Youssouf. Avec Gasly, 6 points si l'on est. C'est chaud de ouf, tu m'étonnes. J'ai l'info que Venec, s'il perd à Séville, Angers, il saute. Mais il peut y avoir qui alors? Avec. Barça à la baisse. Ça va Thomas? Ça va bien Lydia? J'ai passé mon week-end sur ta chaîne. Ah bah c'est cool ça. Tête de Badi Camara maintenant pour Red Bull, aviation peut-être pour le joueur. Il y a un joueur à terre qui se tord de douleur là. C'est moi fait que je crois. Il y a une autre faute encore pour Kouyaté sur son Nanda. Et le coup franc pour Saint-Etienne, 52 minutes de jeu. Et Camara reste à terre. Camara reste à terre les amis. 2-1 pour ce soir pour Lens. Lyon va avoir chaud. Contre Lens qui fait un bon début de saison. Ah Jean-Louis, ça va être ouf. Hein. Il parle de Pélissier. Pélissier à Fonseca. Et est-ce qu'ils ont les moyens justement? Est-ce qu'ils ont les moyens de l'acheter, tu vois? C'est ça le truc. Allez, Oukidja. Salut Patrice Lafont, comment tu vas? La cheville va tanger. J'ai mis 100 euros sur Lens, 50 euros Saint-Etienne. Le farmer c'est chaud. Hein. Le farmer c'est chaud. Hein. J'avoue là c'est tendu. Hein. Allez, Riyad Boudbouz. À 400 likes pour le cristal. Riyad Boudbouz, les amis, qui va s'élancer peut-être pour une belle action. Peut-être pour un. Allez, Kazri. Kazri et Youssouf. Allez, combinaison maintenant. Kazri, la frappe. Allez, oh, combinaison de Youssouf largement. Eh, ça retombait bien. Ça retombait pas mal au-dessus de la cage au Kidja. Ça retombait pas mal, mine de rien. Metz toujours au Kidja 2006. Saint-Etienne toujours au Kidja tout court. Exactement, Patrice. Exactement. Et le classement, la Ligue 1. Eh, ce soir, ça va être chaud. Hein. Ce soir, ça va être bouillant. Saint-Etienne, c'est pas ça pour Oscar. Il fait un match, je voulais dire. Ouais, Lilia. Ouais, carrément. Bah, il a marqué un but. Son retour fait du bien à Metz. Metz joue pas non plus trop mal au ballon, hein, mais il manque un attaquant de pointe. Je trouve Ndiaye, c'est pas ouf par rapport à la dernière. La tête déviée de la part de Nordin. C'est Nordin qui est. Dylan Brown. Kouyaté. Et c'est Nordin qui prend la. C'est Nordin qui prend le ballon. Oh là là, c'est n'importe quoi. Allez, mec, dégagement maintenant pour Alexandre Oukidja. Oukidja qui va dégager loin, loin, loin devant sur Ibrahim Manian. Ah, c'est la tête défensive maintenant de la part de Gourna pour Boudbouz qui s'assure le Kazri, dégagé par Kouyaté avec Thomas Delaine qui donne derrière sur Kouyaté. Mais Maïga est pas sorti en fait. Ah si, Brown. Quand est-ce qu'il y a la championne de la semaine prochaine, mon frérot? Si tu es un homme, tu fais mes commentaires. Je vais remettre en mode abonné parce que là, on va leur filmer Ligue de l'OM pour Metz. Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va très bien. Avec le ballon pour. Le rythme est retombé hein, pour Silva. Silva contré par Andorra. Le rythme est complètement retombé. Les temps, bah, parce qu'on venait que c'est vrai que. Ils ont Séville et la semaine prochaine, ils ont qui, mon frérot? Oula, avec ils ont clairement le ballon pour Etienne Green, dégagé devant De Préville avec la protection de ses douceaux, la tête de Boudbouz, récupéré par Dylan Brown. Maintenant pour Endoram. Endoram qui se retourne bien en pivot, qui écarte maintenant tranquillement sur 111. Le 1-2 avec l'accélération de Vincent Pajot en position d'ailier devant Timothy Godia qui va essayer d'avoir un compte favorable. Non, c'est recontré, retouché par lui. Eh, c'est pas possible! On marche sur la tête! Séville à Angers. Ah putain, Angers c'est pas gagné hein, les frérots. Angers c'est pas gagné. Allez, boule de cristal les amis. Pronostic, boule de cristal, on y va, 400 likes. Qui marque le prochain but? Une grosse faute hein. Y'a rien, dit l'arbitre, avec Pajot maintenant pour Delaine, la frappe de Delaine. Le petit ballon pour 111. Pas loin. C'était pas loin pour 111. Allez, boule de cristal, on y va. Boule de cristal, qui va marquer le prochain but? On y va, les petits frérots. Allez, qui marque le prochain but? On y va. On y va, les amis. On y va. Michel, toi, je dis. Metz Valence. Hein? J'ai dit quoi? Allez, qui marque le prochain but? Qui marque le prochain but, les amis? Avec le côté gauche. Vers la droite, on y va.
avec le petit relais sur, sur Gourna. Allez, boule au cristal. Accélération de Gourna devant Depréville. Et récupéré et taclé par Nico Depréville. J'ai mis lance dans le prono. Ah, j'ai mis lance dans le prono. Oh, le débile. Je le refais. J'essaie. On parlait de Lens, tu vois. Metz, pardon. Excuse-moi. Metz, Saint-Etienne ou Sonnepère. Autant pour moi, le frérot. Ou Sonnepère. Avec maintenant pour Kouyaté. On y va. Kouyaté maintenant devant Kazri. Oh, le magnifique ballon du Sénégalais. La défense et la faute de Kazri pour sonner le ballon. Excusez-moi, les amis. On parlait de Lens, donc. Les Lens. Hey, les amis, les Lensois. Vous êtes déjà chaud, hein. Les Lensois, vous êtes déjà chaud, les amis. Vous êtes déjà très très chaud. Et Kazri qui fait une faute. Kazri qui fait une faute. Ouais, il fait une faute. Allez, peut aller se poser des questions, parce que mine de rien, partout, il y aura des changements. Et Pape Matarsar qui va arriver. Avec le ballon maintenant pour Niang. Et la tête de saut. C'est récupéré. Allez, coup de pied arrêté pour les Messins. Coup de pied arrêté pour les Messins. Avec Étienne Green. But de la Zéron, but de lance sur un Metz. Ce serait énorme, le lol. Allez, avec le centre de la Farid Boulaya. 58 minutes de jeu. Boulaya, c'est rentrant. Boulaya, la tête défensive de la part de Madi Camara. Il remet son brassard de capitaine avec Riyad Boudbouz. Oh, il lance magnifiquement avec la montée peut-être de la part de Nordin. Redonné par Pajot. La tête qui tombe sur Zaidou Youssouf avec Nordin. Sur Zaidou, numéro 28. Ça trouve un petit relais. Magnifique qui passe un rideau pour Gabriel Silva. Silva avec la montée de Riyad Boudbouz. Ils ont tous les deux les chaussures noires. Tu commandes tous les matchs ce week-end. Je commande tous les matchs de Ligue 1. Dont Lyon lance ce soir. Ça va être chaud. Il me tarde ce match. C'est un petit peu le choc. Et la star qui va rentrer. Pape Matarsar, les frérots. Et Depréville, on peut le noter sur 10. Hein. Il n'a pas été ouf. Hein. Ça craint pour la Juve. La Juve perd encore. Allez, changement. Depréville, pas ouf. Hein. Depréville a pas été dingue. Hein. Pas été ouf. Allez, on y va avec la sortie de Depréville. Il n'y a pas eu de but de Depréville, en tout cas, avec Sarr. Pape Matarsar, le futur recrue de Tottenham. Ah, il y a une faute en plus sur Boulaya. Et Boulaya, il fait plein de fautes. Hein. Boulaya, il subit énormément de fautes. Hein. Depréville qui a 6,3. Note pas terrible pour l'ancien Lillois, Bordelais. Depréville. Un ballon pour Dylan Brown. Avec la tête maintenant pour Timothy Kodidak devant Ibrahim Anian. Pour Pajot qui s'est trouvé Boulaya. Pour Santons peut-être. La tête appuyée pour Kouyat et récupération. Premier ballon déjà touché par Matarsar. Qui est vraiment un joueur incroyable. Hein, qui donc partira. Et il traversera la manche pour aller en PL. La tête de saut maintenant avec Kazri. Contrôle magnifique de Kazri, mais contré par Bid Maïga. Avec Maïga est sorti, pardon, c'est pour Endoram. Avec Pajot. Pajot pour Boulaya. Un petit peu contré par Zidou Souffle. L'appel de Santons. Ah, c'est mal joué. C'est mal joué. C'est mal joué. La Juve perd déjà 2-0 à Vérone. Plus on est fou, plus on est. Exactement. Exactement. Hop, tac, on est reparti. Je vais mettre ça comme ça. Claude Cruel, c'est ça exactement. Attends, je vais faire un truc parce qu'il y a. Il y a quand même pas mal de trolls, mine de rien, je trouve. Pas mal de trolls. Donc je vais en mettre là, ça a éviter les trolls là. Tu vois. Allez, hop. Comme ça, je pense que les trolls s'abonneront pas à ma chaîne, évidemment. Giovanni Simeone, très chaud. Ah ouais, il est parti où lui? Les amis, il est du côté de. Allez, avec un partout toujours. Le petit ballon récupéré maintenant par Badi Camara. La tête pour les Messins. Avec Pape Matarsar. Le centre au cordeau peut-être pour Sarr. Il va essayer de trouver un relais. Vous gagnez un corner. Ils sont trois sur le joueur.
La talonnade saut et la touche pour les Messins. Ah, Tchoula, ouais, t'es dur quand même, frérot. Moi, je trouve que c'est un match plutôt intéressant. Allez, Boudbouze, 60. Il reste une demi-heure à jouer. Et 43% d'entre vous disent Metz qui marque un but. Truc de ouf. Comme ça, les trolls sont obligés de s'abonner. Et les trolls ne s'abonnent pas généralement sur les chaînes. Un peu compliqué quand même. Ou alors, on comprend pas. Allez. Allez. Likez pour soutenir. Merci mon frérot. Merci mon ami. Michel Pereira, tu peux arrêter de mettre des trucs comme ça, des goals. Oh bah, Michel, ça. Il dort à ce soir-là, frérot. Avec Madi Camara maintenant sur. Ouais, il a glissé. Il y a une petite faute de la part de Papa Tarsar. Michel Pereira, ne dis pas goal comme ça, il n'y a pas de but, frérot. But de qui, en fait? Je cherche un petit peu. Il y aurait but de qui, mon ami, pour toi? Allez, on y va. Ah, il y a une petite faute pour Pajot. Il y a une petite faute pour Pajot. Et il reste une demi-heure de jeu. Il y en a plein qu'on visait le match nul, hein. C'est clair. J'ai Merson de Monaco, exactement. Salut Donovan. Avec le ballon pour la tête de Delaine. Avec Nordin. Qui est à côté gauche maintenant. Avec 111. Avec 111, maintenant la tête de Delaine et la frappe de Pajot. Oh, la déviation magnifique et quelle défense. Oh là 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 là. Et encore une fois, une frappe de la part de Boulaya, captée par Etienne Green. Chaud. Allez, il reste du temps encore. Hein. Avec Red Boudbouze. Boudbouze maintenant. Boudbouze, le ballon écarté sur la contre-poitrine de Timothy Kodediak. Allez, Kodesiak qui cherche un relais maintenant, capté par Pajot avec Ibrahim Agnan, récupéré par Gourna. Et la faute du Sénégalais sur Gourna. 64 minutes de jeu, toujours pas d'évolution. Et il y en a qui disent 42% pour les Messins. Peut-être des changements encore une fois à avoir lieu dans cette seconde période là. On va rentrer dans les derniers instants bientôt. Il y a du temps évidemment. Allez, côté gauche. Est-ce qu'il y aura Ramirez hein, avec côté gauche, peut-être côté droit avec Madi Camara, le 1-2 pour Boudbouze. Eh, ça marche mal quand même hein, pour les joueurs avec le ballon pour Delaine maintenant, le contre pour Ibrahim Agnan qui va écarter Niagne. Boule de cristal, ah bah elles sont là mon frérot, elles sont là mon ami, elles sont là. Avec la faute peut-être pour un joueur, l'arbitre, Madame Frappard dit rien du tout. Et ça écarte tranquillement, il tente un lob, il a tenté encore un lob. Truc de ouf. Je pense que Nice vont finir au podium. Ah bah à voir peut-être hein. À voir, c'est possible. Pourquoi pas, moi je dis. Le rythme est retombé par rapport à la première période. Ouais, l'accélération maintenant pour Madi Camara, c'est mal joué. Récupéré par la touche de Delaine. 65 minutes de jeu. Les remplaçants, on les aura ce soir normalement. Ça devrait fonctionner. Et Amouma qui va rentrer. Amouma qui va rentrer les amis, mine de rien. Qui a marqué, c'est Kazri et Boulaya. Les deux stars, deux joueurs plus techniques de. Allez, on a Boudbouze et technique aussi avec mon contre maintenant de Boulaya devant Sceaux. Il y a une faute, le maître Frappard n'y dit rien. Il laisse beaucoup jouer Frappard avec le ballon pour Sceaux maintenant qui remet derrière sur Timothy Kodediak avec. Gabriel Silva. Il écarte pour Sceaux. Lob de 68 mètres. C'est incroyable. C'est un but de grande classe, les amis, franchement. Un ballon pour Kazri. Kazri devant Boulaya. Kazri qui va écarter maintenant pour l'étape Timothy Kodediak avec Cedouso. C'est après dimanche, après le match de Lyon. Rennes-Lyon. Avec. Dommage, c'était pour la récupération là de Gourna. Reprends l'axe, bordel. Le match est pas terrible. Camille Lop, c'est Kazri, frérot. Ouais, avec le compte pour les Messins, avec Boulaya sur Pajot qui... pas de faute, l'arbitre ne siffle aucune faute. Elle a oublié son sifflet. Kazri avec Gabriel Silva.
sur Camara qui se retourne maintenant pour éviter le pressing de Thomas Delaine. Madi Camara qui remet derrière sur Timothy Kolodziejczyk. Tranquillement, on s'attemporise. Il y a très très peu de tenue du ballon au milieu de terrain, c'est pauvre. Gabriel Silva devant Dylan Brown. Allez, la touche pour les Verts. Et un changement avec la sortie de qui alors ? La sortie de qui pour Amouma ? Oh, il y a un match d'équipe de France. Hein. C'est demain, Nice, Super, Rennes gagne. Ouais, je sais qu'il y a plus de game. Allez, Nordin. Les amis, on note Nordin sur 10. Ça n'a pas été un grand Nordin. Nordin, il a du mal à revenir d'ailleurs. Il était un gros passeur l'année dernière. Nordin pour Amouma. L'ancien Canet. L'ancien de Toulouse. Amouma. Allez, Amouma. On y va ici, Romain Amouma, les frérots. Avec le ballon dégagé par Gabriel Silva. Allez, Romain Amouma, qui remplace donc Nordin. Il y a une petite note, Nordin. Merci mon gouvernement vote pour le don de 2 euros. L'ami marocain, merci mon frérot. Et la réaction pour Delaine maintenant, sur le don de gouvernement vôtre. Le centre pour Ibrahim Agnan, capté par Etienne Green. Merci mon gouvernement vote pour le don de 2 euros, et salut à toi aussi. La boule de cristal, ah non, à 500 likes, hein. 500 likes les frères, pas avant, pas avant. On a fait une à l'instant. Merci. Vous réclamez tous une boule de cristal à 500 likes les amis. On n'est pas loin des 500 likes, on a combien? Vous voulez une boule de cristal maintenant? On a fait à l'ancienne alors. Qui va marquer le prochain but les frères? Allez on y va, qui marque le prochain but? Boule de cristal, vous la réclamez beaucoup. Donc vous sentez peut-être un but alors. Allez, un pour Metz et deux pour Saint-Té. Les amis, qui va marquer le prochain but? C'est vous qui l'a réclamé. Un pour Metz et deux pour Saint-Etienne. On y va en commentaire. Pour Kouyaté maintenant. Le ballon pour Alexandre Oukidia qui dégage loin, loin devant. Donc Amouma qui est rentré à la place de Nordin. Petit match. Ou personne pour Delgado. Oh, le ballon pour Ibrahim. Oh, dommage. Oh, le poteau. Oh, l'occasion monstrueuse. La sortie de Green. Oh, vous avez raison. Situation extrêmement dangereuse pour les... pour les Verts, le sortie d'Oukidja, Kolodziejczyk, personne ne parle, il fait une tête à... Oh là 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 là, le poteau, il a un peu un CSC. Bon, Michel Pereira, frérot, dernière fois que tu fais ça, sinon je te banne def, hein. T'es relou, hein. Et que tu mets 500 secondes. Allez, t'arrêtes de mettre but, t'es relou. Hein. Frérot, on spoil pas comme ça, les gens n'ont pas les images, hein, frérot. Match de demain, est-ce que tu vas faire le match? Est-ce que tu vas faire 3? Je fais tous les matchs demain, mon frérot. Je fais que la Ligue 1 ce week-end. En général. Bah, Saber Khalifa, justement, on en parle. Il était tunisien. Et on en parle. Est-ce que c'est Kazri ou c'est Khalifa, justement? Est-ce que demain tu vas faire. Oui, j'ai dit Albert. Allez, avec le ballon pour Gourna, qui essaie de se battre avec Vron et avec Pajot. Côté droit maintenant, il a failli avoir une... Eh, salut Fabien, il a failli avoir une dinguerie à l'instant. Il a failli avoir une dinguerie à l'instant. Avec Amouma maintenant pour Kazri, Amouma. Et ballon qui est donné. Et il n'y a pas de faute là. Il n'y a pas de faute là, il n'y a rien. Il n'y a rien les amis. Et Kazri à terre. Kazri à terre, il est touché justement, Bobby. Ah, j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave pour Bobby Kazri à l'instant là. Il est touché au sol. Hein. Kazri touché au sol. Est-ce qu'il y a une faute du coup sur lui? Il y a une faute peut-être de Jemerson, l'ancien. Il y a une faute de Jemerson peut-être sur Bobby Kazri, parce que là il est touché là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de VAR? Bah non, il n'y aura pas de VAR pour ça, les amis, quand même. Pas de VAR pour ça. L'arbitre a vu son sifflet. Eh, ici, jamais. En coupe 2 pour mettre. Non, j'ai pas. Ah, ça d'hier. Hier, on a passé deux boules de cristal. Oh, la faute de Kolodziejczyk aurait pu être très, très dramatique. Hein. On va approcher tout doucement de la fin du match. Hein. Oh, le poteau. Et il aurait pu avoir un CC, mais historique. Hein. Oh là là là. Et Antonetti, il est en colère. Hein. C'est pas possible! Et la variole qui va aller contrôler s'il y a pénalty sur Kazri. Ah non, c'est bon, il n'y a rien du tout. Allez, ballon
Frappard, elle siffle jamais. Hein. Le talon touché, ouais. Faudrait rajouter un CC, mon T-Max. Allez, il reste 19 minutes à jouer pour l'instant. Ça ne change pas au classement. Avec les Verts. Avec Riyad Boudbouz maintenant. Allez, Riyad Boudbouz. Allez, Boudbouz l'Algérien qui va peut-être mettre une feuille morte sur l'opération. Boudbouz, pied gauche. Dévié. Défendu par Santon maintenant avec Ibrahim Aniane. Devant Zeidou. Allez, récupération maintenant pour les Messins avec 111. Et il est en train de parler un petit peu à Julien Sablé pour savoir quel changement faut faire. Mine de rien, c'est pas un bon résultat pour les Verts, mais les Verts ne gagnent toujours pas. 6 points sur 36 matchs. Sur 36 points, c'est chaud quand même. Allez, pas de faute. Elle s'y fait pas les fautes. Amou maintenant. Le centre pour Youssouf. La tête de Kazri. Oh, capté par Okidja. 73 minutes de jeu. Salut Kevin, ça va bien? Avec le ballon pour Boulaya maintenant et le contre engagé pour 111. Oh, quelle mauvaise transmission pour Endoram qui va tacler devant Amouma. Oh, les transmissions de balles sont catastrophiques. Je fais tous les matchs, les amis. Je fais tous les matchs. Nissan, je fais tous les matchs. Avec Boudbouz. Boudbouz maintenant sur Madi Camara. Avec le petit ballon sur Memouefek. Le match, ça joue bien. Ça joue bien. Il y a très très peu de tenue de ballon au milieu de terrain en tout cas. Avec Gabriel Silva devant 111, il trojette un petit peu côté gauche pour trouver Amouma. Amouma, il y a une très belle patte aussi en enroulé. Hein. Allez, synthé d'Irachid Ossian. Ah bah là, ça va être chaud. Hein. Avec le ballon pour Gabriel Silva, c'est bien joué. Gabriel Silva côté gauche. Silva maintenant. Avec Amouma, il reste 17 minutes de jouer. Amouma. Amouma maintenant le hors-jeu. Pas sifflé pour Boudbouz en deux temps. La frappe de Madi Camara. Elle est contrée. Mais pourquoi il siffle hors-jeu une heure après? Pourquoi il siffle hors-jeu une heure après? C'est une dinguerie quand même. Oh là 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 là. Il siffle hors-jeu une heure après le mec. Incroyable. Allez, reste du temps. Le ballon maintenant pour Santon. Avec la récupération maintenant pour Gourna au début. Gourna, il y a une faute. Je comprends rien. Ah, si je fais ça, c'est bien, non? Qu'est-ce qu'on pense? Faut être motivé pour grandir du match de Ligue 1. Ah bah, Ligue 1, c'est mon championnat préféré, les frères. Il attend le VAR. Ah ouais, il attend le VAR. Putain, vache, Frappard attend le VAR, c'est chaud. Avec le ballon maintenant pour Gourna, le centre pour Gabriel Silva, avec le ballon pour Romain Amouma. Amouma, la frappe de loin. Oh là là, frappe de loin cadrée, elle ne sert à rien. Pourquoi le hors-jeu une heure après? Je comprends pas, Mathieu. Je comprends pas. C'est une heure après et du coup c'est chiant quoi, parce que les joueurs essayent. Un joueur peut se blesser, tu vois. Un joueur peut se blesser sur un truc. L'arbitre c'est Frappard. Avec la tête et Amine Bassi qui va rentrer, vous en parliez tout à l'heure en avant-match. Avec le ballon pour... Ah c'est bien joué de la part de Amine Moefek. C'est bien joué mais ça ne paie pas sur Boudbouz. Allez, on peut le soutien, c'est pas possible, on y va. Le live a décalage au match. Bah j'y peux rien Jordan, encore une fois c'est... Je n'y peux rien, c'est YouTube mon frérot. Moi je regarde le match comme toi, je suis en satellite. Même si c'est une application sur internet. Enfin sur... Changement. Changement les amis, avec la sortie de Endoram pour Bassi. On en parlait tout à l'heure, tu vois. Amine Bassi les amis. Et Opa Nguette qui rentre à la place de Niagne. Opa Nguette, c'est pas un attaquant de pointe, c'est plutôt un ailier capable aussi de mettre des très beaux buts. Ouais, au moment Bessé qui avait fait une très bonne saison il y a deux ans. La première saison, ils sont remontés. Il a été monstrueux, pas Nguette. Il a marqué des buts de ouf. Allez, Nguette maintenant ici. Avec le ballon pour Timothy Kodediak. Ah, il était très fort, hein, Nguette. Capable de mettre des buts de dingue. Il faut imaginer ce quoi d'avoir 600 têtes devant toi. Un roi. Quand même frérot. Allez, avec ballon pour Green. Et Boulaya est toujours là, hein, je crois, il me semble. Désolé, on est là pour Thomas.
Ouais, mais pas de pub, frérot. Enfin, ne troll pas la pub. Tu peux mettre une fois, mais pas mille fois non plus. Nordine, tranquille, frérot. Avec Amouma pour Riyad Boudbouz. Maintenant, la peine de Kazri. Oh, le déversion magnifique de la part de Papa Tarsar. Avec Bassi, justement. Amine Bassi. Oh, le ballon pour Paenguet, mais bien, bien capté, bien emmené par la défense. Il reste un quart d'heure à jouer. Moins d'un quart d'heure à jouer, les amis. Pour l'instant, en tout cas, les Verts font un bon résultat. Il ne peut pas non plus faire mieux que ça. Bon, les changements sont là avec la position pour Mbamouma. Oh, le tacle incroyable de la part de Jemerson. C'est Vidic, je ferai, mon frère. Ouais. Quel tacle incroyable de la part de Jemerson à l'instant. Quel tacle incroyable de Jemerson. L'ancien Jemerson. Et souvenez-vous, Jemerson et Mersteki. Et Jemerson et qui? Jemerson et Radji. Les frérots, c'est ça. Jemerson et Radji. C'était monstrueux. Et le centre de Boudbouz maintenant. La défense de la part de 111. Jemerson et Radji. C'était ça ou pas? C'est Jemerson et Radji ou il y avait quelque chose d'autre? Attends. Jemerson, Radji, il y avait quelque chose d'autre. Je sais plus. Avec Gabriel Silva, le centre maintenant pour personne, pour Boudbouz, c'est bon contrôle de l'Algérien. C'était qui là, Jemerson, Radji? Non, Jemerson, il y avait qui à côté? Putain, j'oublie le... Jemerson et qui? Et Kamel Glik. Oh putain, tiens, cadeau. Et Radji sur le côté, et Sidibé. Ah bah oui, mon frérot, ça met du temps. Ah, c'était ça, c'est, putain, Glik et Jemerson Glik, c'était énorme. C'est champion de France 2017. Tu vois qui en Ligue 2? Ah, je sais, franchement, je sais pas. J'ai hâte de voir Monaco-Brest demain. Brest-Monaco avec Boudou 20 ans. Il reste 12 minutes de jeu. Là, il sert de pied maintenant pour un moment à récupérer par Papa Tarsar qui cherche une robe. Ah, il cherchait Open Gate, mais dégagé à l'arrache avec Gourna. Le ballon pour Sadiusso qui met sur Etienne Green. Glik, putain, et c'était Glik à l'époque était demandé par tous les meilleurs clubs anglais. Il est où Glik là? Il est parti en Turquie, non? Ou il est parti à Benevento, non? Avec le ballon pour Gourna. Ah, récupéré par Pajot devant Amouma. Contrôle de l'épaule un petit peu, mais c'est involontaire. Mais le ballon est donné pour Amène Mouefek avec Amouma. Le 1-2. Il y a une faute peut-être. L'arbitre ne siffle pas la faute. L'avantage est laissé maintenant avec Mouefek maintenant côté gauche. Le centre capté par Kudja. Ouh, comme une crêpe crampouse, il a récupéré. Si Pell a été viré, je suis sûr que Sainté remonte. Mais pour mettre qui, ouais? Pour mettre qui les frérots? Je veux bien, mais pour mettre qui? Ah, avec Papa Tarsar qui est vraiment exceptionnel en termes de jeu. Les amis, 500 likes, 500 likes, les frérots. On va à 500 likes minimum. J'ai dit un but des Verts, tu m'étonnes. 12 buts, Michel. Allez, avec le ballon pour Metz. Avec Boulaya maintenant qui remet sur Braun. Ouais. Avec Papin Tarsa maintenant sur Kouyaté pour Pajot qui écarte tranquillement sur Farid Boulaya. Peut-être un ballon devant Epam Gued. Le contrôle magnifique, mais c'est dégagé par Timothy Kodediak et contrôlé par Gabriel Silva. Le Brésilien qui écarte sur Zedou Youssouf. Avec Gourna qui s'en passe. Magnifique crochet pour éviter le retour de Boulaya. Le contrôle orienté de Raymond Bouz et le crochet de l'Algérie magnifique. Il est à contre favorable avec la l'accélération pour Gabriel Silva. Le centre pour Kazri avec Amouma. Dégagé par Thomas Delen. Loin, loin, on touche côté gauche. Pour mettre Domenech. Soyez sérieux! Non! Durcifié, ça n'existe pas. Durcifié? Putain, il n'arrête pas de le dire. Durcifié le milieu de terrain? Durcir alors? Bon, tu sais, on crée des mots, Si, durcifié, ouais. Pardon. Durcifié, ouais. Bon, c'est pas grave. À demain, mon Christophe. Demain déjà? Tu restes pas pour Lyon-Lens, frérot, ce soir? Christophe? Si t'es disponible juste après le live, mon frérot, Christophe, sur Skype. Densifié. Ouais, mais c'est beau, durcifié. Je rigole. On crée des mots. Oh. Avec Mali Camara, le centre. La tête d'Amouma dégagée par Kouyaté. Corner pour les Verts. 80 minutes de jeu. Merci, les amis. À Tchoubizé. J'ai un peu éternué quand même. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, frérot. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, mais alors. Pas du tout, les amis. Excusez-moi, les amis. Il fait un peu froid. Ce soir, je fais l'ancien. Ouais, ce soir, je fais l'ancien. D'ailleurs, je vous mets le lien du live et épinglé, les frérots.
Dentifrice, ça marche aussi. Ça, exactement. Le lien du live est épinglé. Avec Thomas Delaine maintenant, le contrôle devant Madi Camara. Il écarte loin, loin. Avec le petit ballon sur Emen Mouefek. Le lien du live est sur le Nightboat. Dans point d'exclamation live. Sauf que je vous redirigerai. Hein. Il y a un morceau sur le micro, c'est ça. Salut Sandrine, 0-0 pour United. Le ballon dégagé par Bassi. Yamine Bassi avec Boulaya. Le ballon pour Kouyaté. Pamba Tarsar. Contre Hanté, ça recule derrière son Kouyaté à nouveau. Ça joue bien là pour les Messins. Ça joue très bien. Et Saint-Symphorien qui commence un petit peu à s'enjailler. Allez, point d'exclamation live. Je pense que c'est le match de Lyon. J'ai mis en exergue. Avec le choc. Il n'y a plus la faute, le choc. Lyon contre les Lensois, les amis. À 20h en live. Point d'exclamation live. Hein, sur le chat pour avoir le choc Lyon-Lens. J'ai fait ce show. Ne pas rater l'occasion de prendre la tête. Ah, Sochaux est en tête. Putain, bah, je regarde un petit peu la Ligue 2 quand même. Hein. Point d'exclamation live, les amis. N'hésitez pas, hein, ça va être chaud tout à l'heure. Arène, il fait froid. À l'intérieur de mon studio, il fait 20. Ça va. Allez, le centre pour Boulaya, 83 minutes de jeu. 83 minutes de jeu, les amis. Boulaya pour la postérité. L'Algérien qui s'en va tirer la tête pas de temps de la part de Dylan Brown. Récupéré par Thomas Delaine. Le centre de Thomas Delaine au deuxième poteau. Oh, dévié par Saïdousso, heureusement. Et rattrapé peut-être pour Boulaya. Et le corner pour Metz. 7 minutes de jeu. 7 minutes de jeu. Et on va faire la dernière boule au cristal. Kuhlmann, bah, ils veulent le match nul. Après, c'est pas un mauvais résultat. Hein. Le Saint-Étienne-Clermont va être chaud la semaine prochaine. Hein. Saint-Étienne-Clair avec Boulaya maintenant. Le centre de Boulaya, c'est sortant. La tête déviée de la part de Seydouso. À nouveau. Avec Boulaya, une autre action. Et Pamba Tarsar qui fait une faute en montant sur Madi Camara, sur Boutbouz, pardon. Allez, on y va. Qui va gagner la dernière boule au cristal du match? Là, on vote à fond. On y va. Allez, on y va. T'es pas enrhumé? Non, ça va. Ça va. Avec Sceau. Allez, ballon pour Madi Camara. Avec Sceau. Qui écarte côté gauche pour Etienne Green. Encore 33 likes. Il joue quand Lorient, il joue demain à 15h. Le ballon récupéré maintenant avec le pour Riyad Boutbouz qui a du champ. Boutbouz avec l'appel peut-être de Wahbi Khazri. Wahbi Khazri dans l'axe. Wahbi Khazri avec Madi Camara, le centre tendu. Et Khazri maintenant. Ouais, ballon, la roulette de Khazri. Clermont va écrire Saint-Etienne. Ça va être chaud, hein. Ça va être bouillant. Avec Kodediak sur Amouma maintenant, le tacle magnifique avec le relais sur ah c'est personne, c'était pour Amine Bassi qui carte sur Camara qui cherche Khazri, la tête magnifique au deuxième poteau dégagé par Santonze. Heureusement il y avait Gabriel Silva qui arrivait. À tout à l'heure mon Pierre, but du zinc. Ah bah il est énorme Bilal. Pour l'inscription live ici, hein. Pour l'inscription live ici. Avec Aliniva qui écarte en maintenant pour Sceau. Avec le ballon pour Amouma maintenant, le centre pour Gabriel Silva. Corner pour Saint-Etienne. Corner pour Saint-Etienne. En fond demain 15h. Ah t'inquiète le multi va être chaud. Le multi va être bouillant. T'inquiète. Allez, oh le tac magnifique de 211. Allez, je vais mettre un truc à la fin. Je vais mettre l'anti-troll à la fin les frères. L'anti-troll va être lancé. C'est parti, on y va. Anti-troll. Avec le centre pour Boutbouz. Allez, Boutbouz qui centre. La tête maintenant pour Sceau. Avec le ballon maintenant qui écarte sur Gabriel Silva. Avec l'action pour Opa Nguet. Salut Pascal Zax. Avec le ballon pour Boulaya maintenant.
Boulaya. Ah, oh là là là. Et le carton jaune, ça y est, elle sort des jaunes. Elle sort des jaunes, frérot. Elle sort des jaunes. Madi Camara jouera pas à 3. Madi Camara ne jouera pas à 3, les frérots. Malheureusement. Allez, l'anti-troll est mis. Et pourtant, il y en a quand même. Thomas, je regarde bien Tottenham. Je jure, c'est pas la même faute. Ouais. Pff. Bah, Metz Saint-Etienne, Tottenham, Manchester United. Essaye de regarder un Watford. Un Watford Brighton, frérot. Allez, avec le centre maintenant pour Amine Bassi. La tête déviée en deux temps. Oh, on l'arrête d'Etienne Green, incroyable. Le corner pour Metz, quelle action incroyable à l'instant. Oh là 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 là. Incroyable action à l'instant, les amis. C'est bouillant. Pom pom pom. Carton jaune pour qui mon frérot, j'ai oublié. Mais pour Camara, je crois. Pour Madi Camara. Carton jaune pour Madi Camara. Le corner maintenant pour Metz avec Farid Boulaya. Pour Etienne Green. Qui dévie le ballon magnifiquement. Récupération et pressing un petit peu de la part de... Des Bessins là. Oh là là, l'arrêt magnifique hein, de la part d'Etienne Green qui boxe devant Dylan Brown avec Papa Tassar. La pape de Kate. Oh, l'arrêt de Green encore une fois. Etienne Green qui sauve les siens. Etienne Green qui sauve les siens. Quel magnifique. Poyoyoy. Et Amouma. Amouma, le centre pour Kazri. Le lob tenté. Le bon contrôle du Tunisien. Il va essayer d'écarter, il n'y a pas d'enjeu. La frappe de Kazri, elle est au-dessus de la cage de Kidja. Le match en flamme. Le match en flamme. Ouais, j'ai ça au pif, Théo. J'ai ça au pif, quoi, frérot. Je fais Lille-Séville, évidemment, frérot. Je fais Lyon ce soir. Mathias, le live, il est épinglé. Et il est là. Regarde, Mathias, il est épinglé. Évidemment, je fais toute la Ligue 1, les frérot. Toute la Ligue 1. Le live est là, mon frérot. N'hésite pas à mettre un petit message ou reste sur le live et on sera redirigé directement. Elle doit flipper, tu m'étonnes. Oh là 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 là, quelle occasion! Et double changement avec Riyad Boudbouz. On va noter les joueurs, les amis. Boudbouz qui a été plutôt pas mal. Denis Bouanga qui ne joue pas beaucoup, le Gabonais. Il y aura énormément de joueurs qui ne sont pas là, évidemment, du côté de la CAN. Et Boudbouz pour Adil Aouchiche. Adil Aouchiche qui ne joue jamais en fait. Aouchiche ne joue jamais. Et Kazri, on peut noter. Kazri les frérots. On note Kazri sur 10. Et on y va. Kazri sur 10. Adil Aouchiche et Kazri pour Bouanga. Kazri on met un 8. Hein. Heureusement que Kazri là. Kazri il te marque tous les buts. Franchement c'est assez incroyable ce mec. Et maintenant pour Opa Nguette maintenant. Nguette sur le côté. Nguette qui temporise un petit peu. Et déviation. Il va rester 40 secondes dans le temps réglementaire de ce match. Ouais. Kazri ça mérite un 8. Hein. Avec le côté gauche maintenant qui est redonné pour Kouyaté. Kouyaté avec Dylan Brown obligé de battre derrière. Il n'y a pas de faute de l'arbitre. Le compte pour les Verts. Et la touche est pour les Verts d'ailleurs. La touche est pour les Verts. Récupéré maintenant. Avec Kazri, avec Aouchiche, avec Bouanga peut-être pour une action. Le centre pour Romain Mouma. En tant qu'ailier comme à l'époque quand il était du côté de Toulouse et de Caen. Il a marqué des beaux buts. Hein. En Normandie, à 8 largement. Combien de temps additionnel je ne sais pas encore une fois. Ils vont le dire dans pas longtemps. La frappe. Et le capteur. Bien capté par Okidja. Quelle frappe. Et 2 minutes seulement. Hein. 2 minutes de Netflix en plus. 2 minutes seulement. 2 minutes de Netflix en plus. Alors ça. 2 minutes de Netflix en plus. C'est tout. Et corner pour les Verts. Alors là, il y a eu combien de changements? Il y a eu 5 changements. Pas logique. Elle frappe n'importe quoi. Hein. N'importe quoi, mais elle frappe. La frappe de Boisfec, peut-être elle est loin. Elle est pure. Oh, l'occasion. Je la voyais dedans. Il y a que 2 minutes de Netflix en plus. Pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Et 36% d'entre vous disent match nul. Avec Okidja maintenant. Allez. Avec le côté gauche. Écarté sur saut. Il y a 2 minutes seulement, c'est vraiment pourri quoi.
je crois qu'il y avait plus quoi. Et ben non, pour Bamba Sarr, bon tacle de la part de Denis Bouanga qui a du champ. Denis Bouanga côté gauche maintenant, avec l'accélération côté droit sur Romain Mouma, le centre de Kidja qui sort, avec la frappe de Camara. Oh, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, et le 6 mètres, il reste 40 secondes à jouer. 40 secondes à jouer. Bon, c'est Michel et Normand. Pareil. Les amis, on peut atteindre 600 likes hein, là-dessus, hein, les frérots. On peut atteindre 600 likes là-dessus. Hein. Attends, largement, les amis. Largement. Mais comment c'est possible? Les frérots, comment c'est possible qu'il n'y ait que 2 buts d'arrêt de jeu? Je comprends pas. Eh, c'est pas possible! Eh, Toka! Eh, on meurt sur la tête à 2 minutes d'arrêt de jeu, tu sais pas marquer, Toka! Non, c'est vrai! Avec le Bouanga. Et c'est terminé! C'est fini! Fin du match! Match nul! Complètement surréaliste quand même! Seulement 2 minutes d'arrêt de jeu! Match nul! 2-1 partout! Ça change rien au classement évidemment! Alors là, c'est surprenant ce qu'on a vu! Franchement! Les amis, on go! Aux 600 likes, on peut le faire! On est 800 sur le live! Non mais c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf ce qui s'est passé! C'est un truc de ouf! Comment c'est possible? Comment c'est possible? 2 minutes d'arrêt de jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ouais, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent quand même. Les Messins font... Est-ce qu'ils font une bonne opération? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la... toujours pas de victoire pour Saint-Etienne en 12 journées. Les Verts rencontreront Clermont dans un match incroyable la semaine prochaine. Juliano! Oh putain. Je serai en débrief pour Rennes. Pour Rennes hein. Ça va être chaud. Les amis, je vous matraque... Le lien de Lyon contre Lens ce soir, c'est le choc, je compte sur vous. Allez mettre un like d'avance, coup d'envoi à 20h, ça va être ouf hein. Ça va être ouf, et Pinal se dans demain. C'est-à-dire. En tout cas, on a vu 2 beaux buts. Et on a vu peut-être le lob du siècle, peut-être pas exagéré, mais 68 mètres de lob, c'était juste ouf. Je compte sur vous les amis, le lien que je propose là sur le live, c'est le lien de Lyon-Lens. C'est quand même un match que tout le monde attend depuis, on vient même sur le lien sur le live tout à l'heure pour me dire Thomas, j'ai hâte à ce soir, ça va être complètement dingue. Ça va être un truc de ouf, ça va être le match à Lyon-Lens, quand on voit au classement les frérots, je tiens à dire quand même que c'est Lens, s'ils gagnent ce soir, ils ont 24 points, ils mettent la pression sur tout le monde. Hein. Eh ouais, sur tout le monde. Et Lyon, il faut qu'il gagne, sinon il prend un petit peu de retard. Le petit like qui va bien, le petit abonnement évidemment, et on va juste voir la note des joueurs ici, avec l'homme du match, c'est Kazri, 7,6 seulement pour lui, 6,9 pour Riyad Boudbouz, 6,3 pour l'ami Masson, il y a quand même pas mal de flops. Hein. Konediak 7,3, Etienne Green à la fin a fait des gros arrêts, il a été monstrueux Etienne Green franchement. Boulaya était bon aussi. Ouais, Boulaya revient bien. Boulaya, en fait, les amis, revient au meilleur des moments. Il a été vraiment exceptionnel, je trouve. Boudbouz 6,9. Donc, et Boulaya 7,6, homme de Metz, avec son but, évidemment. Son deuxième but de la saison, 7,2 pour Santon, 7,2 pour Boubacar Kouyaté. Braun, pas ouf, notamment sur la défense. Il a mal muselé, je trouve, les attaquants stéphanois. 6,9 pour Ibrahim Yanyan, 6,7 pour Depréville. Un match équilibré, voilà, le partage des points est évidemment, je trouve, correct. Hein. Le partage des points est correct. Et donc, faudra la semaine prochaine, les Messins, Marseille, Metz, au Vélodrome, et aussi le match Saint-Etienne-Clermont, ça va être bouillant, ça va être chaud. Barreau Stéphanois, très beau but. Ah bah ouais, on a vu quand même un beaucoup franc et on a vu un but de Kazri incroyable. Merci les amis, hein, on passe en chill vite fait. Après je vais vous laisser parce qu'il y a l'autre live à préparer. Et en plus j'ai un call les amis. On part en chill vite fait les amis. On part en chill ici. Hop, oula. Donc redirection ici sur le match de Lyon les amis, ici voilà, parfait match, merci pour le match, à plus tard ouais, et Pinal Sedan Coupe de France, ah non demain je fais les Ligue 1 mon frérot, ce soir il y aura du monde hein. Ce soir il y aura du monde, il y aura les Lensois, il y aura les Lyonnais, ça va être chaud, ça va être chaud, remettre ton classement à jour, c'est pas la bande meilleur buteur, c'est David.
Bah ouais, c'est bon, j'ai mis ta yab. Frérot, rien que pour toi, mon ami, je pense que tu suis pas les lives. Rien que pour toi, mon frérot, je le mets, mais je le prends mal. Hein, parce que il est mis depuis longtemps, mon frérot. Regarde, il est mis depuis hier. Juste pour info. Juste pour info. Il était à jour depuis hier. Il est toujours à jour, mon classement de buteur. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et donc, Kazri, t'as fait 10. Et pourquoi il y a un venir, Kazri ? Oh. Merci, les amis. À vous du soutien. Merci aux donateurs qui ont été encore une fois exceptionnels. Merci, malgré le match nul. Il y aura la basson ce soir. Ah bah, ce soir, ça va être ouf. Ça va être ouf. Merci à mon Christophe Pedrolo. T'as été incroyable. Encore une fois, je sais t'appeler si j'ai fini mon call. Merci à Google Manvotre. Merci à Laurent Morel. Merci à Sophie La France. Merci à mon DL Divoti. Mon Christophe Pedrolo, merci à vous pour les subs aussi. Le Farmer qui s'est sub, qui s'est resub. Pablo Saibi qui s'est resub. Merci à vous. Merci aux abonnements. Hein. Xioctix, Odwaga, Kiari, Google Manvotre. Merci pour ton don. Eliaton, Zegadou Badis. Merci du fond du cœur, les frérots. Ne bougez pas. J'ai recommencé ma chaîne. Aide-moi. Frérot, tu peux même pas t'imaginer combien j'ai de messages comme toi, mon frérot. À part continuer à t'améliorer et de bosser, mon frérot, je peux rien faire, malheureusement. Tu vois. Gros match ce soir. Parce que tu l'avais pas dit, Thomas, tu es bon. Ah ouais. Ok. T'inquiète. À ce soir pour Lyon contre Lens. Merci à vous du soutien énorme. Merci à vous pour... on était quand même 800. Hein. Je tiens à dire quand même, pour un Metz Saint-Etienne, vous êtes quand même des Stremont, les frérots. Hein. Je tiens à dire, vous êtes des Stremont, donc merci à vous. 220 500 abonnés. Ce soir, on va taper les 221 000. Ce soir, on va taper les 221 000, ça c'est clair. Merci à vous, n'oubliez pas que le foot n'est que... n'oubliez pas que le foot n'est pas que du business, est avant tout un sport populaire. Bah ouais. Je vous redirige directement sur le live Lyon-Lens à ce soir, 20h. Mais une blague, t'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas mon ami. T'inquiète pas, je suivrai ça. À tout à l'heure, 800 pour Metz Saint-Etienne. Mais ouais, Taïeb. À tout à l'heure. Salut. Et salut les frérots. Ne quittez pas le live. Ne quittez pas le live. Téléportation. On est d'accord. À tout à l'heure les frérots. Ciao. Les amis, ne quittez pas le chat, hein. Redirection, téléportation, et je compte sur vous pour bombarder, définir un appel, ça va être chaud. À tout à l'heure, la famille, à tout à l'heure. Je vous kiffe, ciao.